Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette salle habituellement dédiée aux travaux de l'OPEXT, cette belle institution de nos deux chambres parlementaires qui s'intéresse notamment au sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. On entame un nouveau cycle d'auditions qui, plus particulièrement, sera axé sur deux sources d'énergie dont la France reste dépendante, le pétrole et le gaz, fortement consommées et peu ou plus produites sur notre territoire national. Compte tenu des délais contraints dans lesquels la commission d'enquête doit rendre son rapport, je rappelle que nos travaux devront produire un rapport que nous devrons adopter au plus tard, le 11 avril. Les problématiques liées aux énergies fossiles ne pourront pas être approfondies de façon très détaillée, mais nous avons déjà recueilli diverses informations, notamment en ce qui concerne les importations et les approvisionnements et l'évolution de ceux-ci. Nous aurons également l'occasion d'interroger les dirigeants des deux plus grands groupes français. Dès demain, M. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy. Et le 6 décembre, Madame Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. Enfin, un expert de l'Institut français des relations internationales nous présentera les caractéristiques du secteur au niveau mondial le 24 novembre prochain. Nous terminerons cette semaine d'audition par l'audition de Monsieur Thomas Courbe, directeur général des entreprises et commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, laquelle pourra avoir lieu. En fonction des discussions que nous aurons encore à avoir avec les membres de la commission à huis clos, si aucun inconvénient n'est relevé. On en décidera le moment venu. Pour l'heure, nous allons ouvrir ce cycle par une table ronde consacrée à la recherche en auditionnant les principaux responsables, les responsables des deux organisations de recherche qui font partie de l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie, l'ANCRE, créée en 2009. Donc, Monsieur Pierre-Franck Chevet, vous êtes président directeur général d'IFP Énergie Nouvelle, et Madame Catherine Rivière, vous êtes la directrice générale adjointe, ainsi que Madame Michèle Rousseau. Non, je crois qu'elle n'est pas là. Elle est remplacée ? Non, elle est là. Ah, bon, par monsieur le directeur général du BRGM. D'accord. Monsieur Christophe Poinceau, qui représente le BRGM en tant que directeur général délégué et directeur scientifique de cette institution de l'État. Ainsi que. Ah, ben voilà, c'était noté. Et monsieur Patrick Dugue, qui est directeur du programme scientifique Ressources minérales et économie circulaire. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation si rapidement. De la recherche et de l'expertise technique, de l'existence d'un vivier scientifique, dépend largement la robustesse d'un système énergétique. Disposer de compétences nationales de très haut niveau et maîtriser les technologies de l'énergie constitue aussi, pour un pays, un gage de souveraineté et d'indépendance énergétique. Cette audition devrait donc nous permettre de compléter les éléments recueillis par la commission d'enquête, notamment sur le volet statistique, et d'entrer peut-être dans un regard plus qualitatif. L'effet des politiques publiques mises en œuvre, là aussi, pourra faire l'objet de quelques échanges. On peut penser à la fermeture des sites de production, à la parenthèse de l'exploration des gisements de gaz de schiste créés par la loi du 30 décembre 2017, qui met fin aux recherches ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures, où on pense également aux objectifs qui ont été fixés et qui, lorsqu'ils sont trop ambitieux, peuvent mettre sous pression les organismes de recherche, comme les moyens consentis en faveur de nouvelles technologies. Le rôle de l'Union européenne mérite également d'être examiné dans vos secteurs de compétences. Les financements européens sont désormais nécessaires au bon fonctionnement de la plupart des organismes de recherche français. Dans quelle mesure la taxonomie verte européenne orientera-t-elle vos travaux? Par ailleurs, si le verdissement est justement souhaité, on peut se demander si les Français s'y retrouvent vraiment entre le gaz naturel liquéfié, le gaz vert, le gaz renouvelable, le biogaz. Voilà des notions qui
toutes peuvent conduire à perdre un petit peu le citoyen électeur dans la compréhension du système gazier. Enfin, je note que le sous-sol prend de la valeur comme ressource énergétique, mais aussi comme ressource minière à nouveau et de plus en plus, et comme espace de stockage. Avant de vous donner la parole, je vous demanderai, madame et messieurs, donc conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et rien que la vérité, pardon, je vous prie en conséquence successivement, à l'appel de votre nom, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous propose de procéder de façon logique. Madame Catherine Rivière, monsieur Pierre-Franck Chevet, monsieur Christophe Poinceau, monsieur Patrick Dugue. Voilà, bah écoutez, les formalités étant réalisées, je vous propose de passer au propos introductif qu'on vous laisse mener, puis ensuite on rentrera dans un échange itératif entre le président, le rapporteur et les membres de la commission que je salue. Monsieur Pierre-Franck Chevet. Bon, j'ai le papier sur mon bouton. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, on vous a envoyé, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça a été redistribué, un certain nombre de documents comme demandé. Bonjour. Alors, on a des slides, d'ailleurs, de part et d'autre, BRGM et Yves Penn. On a des slides et par ailleurs, on a commencé à remplir le questionnaire que vous nous avez envoyé du mieux possible. Et ça répond notamment à vos demandes d'avoir sur la partie hydrocarbures un certain nombre d'éléments chiffrés sur nos dépendances, à quoi, sous quelle forme. Donc, il y a une partie, en tout cas, je pense, des documents qu'on vous a transmis qui peut répondre à la question que vous souleviez sur la partie hydrocarbures. Alors, peut-être avant de commencer, j'ai préparé 6 slides, donc ça ne va pas être très long, qui sont orientés transition énergétique, et de dire en quoi, quelque part, elle peut répondre aussi à l'enjeu de souveraineté qui est plutôt partagé actuellement, me semble-t-il, y compris de souveraineté énergétique, mais aussi de création d'emplois sur notre territoire. Et il y a beaucoup des enjeux de la transition énergétique, du verdissement, pour reprendre vos termes, qui peuvent aussi ramener de l'emploi local, créer de l'activité et contribuer à notre souveraineté, quelque part, en ayant des sources d'énergie, finalement, à la fois vertes et sur notre territoire. Je vais essayer de l'illustrer dans les slides que je vais présenter. Encore une fois, vous les avez, ils sont distribués. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste un commentaire sur la dépendance de la France. Mais là, je parle plutôt au titre d'ancienne fonction, c'est plutôt une question de nature politique, il y a quand même des éléments qui font que la France est peut-être pas si moins dépendante en tout cas que d'autres. Je pense que déjà le programme nucléaire contribue à avoir une source d'énergie à notre main globalement. Et en tout cas, ça a été le cas. Alors on est dans les circonstances actuelles, effectivement, ça marche un peu moins bien. Je précise que j'ai été président de l'autorité de sûreté nucléaire. Je vois très bien la situation, mais c'est quand même quelque chose d'assez conjoncturel. Et que, globalement, ce parc de production d'électricité en masse, hein, c'est 70-80% quand même du mix électrique, contribue à cette souveraineté-là. L'autre point, c'est qu'il y a tout un tas de dispositions qui ont été prises au moment où on ouvrait à la concurrence les marchés de l'énergie, qui ont été prises pour justement garantir, enfin non pas garantir, on ne garantit jamais, mais contribuer à la sécurité d'approvisionnement. Moi, je rappelle, c'est plus ancien, les stockages, les stocks stratégiques en matière pétrolière. Je rappelle aussi les stockages de gaz pour l'hiver et les obligations faites aux opérateurs de faire ce genre de choses. Donc on a quand même un certain nombre de dispositions, en tout cas la France, qui vont quand même dans le bon sens. Alors ça ne veut pas dire, c'est clair qu'en matière pétrolière, on en a vraiment très 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 peu. De mémoire, c'était l'ordre du pourcent de notre consommation sur notre territoire. Donc, alors, il y en a, mais très, très, très peu. Et donc, on est effectivement en grande dépendance là-dessus, sur cette partie-là. Oui, pardon. Voilà, bon, c'était juste un commentaire général sur l'énoncé. Sur le premier slide, j'ai essayé de visualiser où on en était de la transition énergétique au niveau mondial. Donc, on a extrait beaucoup de données qui nous viennent de l'Agence internationale de l'énergie, qui est d'ailleurs basée à Paris, qui fait un très gros travail en accompagnement des pays sur la partie solutions technologiques. Et j'ai remis sur la première slide, qui est numérotée 2 en l'occurrence, les scénarios de baisse des émissions de CO2
différents scénarios qui sont actuellement sur la table. Le scénario en bleu, c'est les politiques qui sont à l'œuvre maintenant. C'est les politiques, les décisions déjà prises à l'œuvre. Et si on ne s'en tient qu'à ça, décisions prises par les États, ensemble des États, on arrive à une augmentation de la température de près de 2,7%. Donc on est loin de la cible. Si on tient compte, alors non pas des politiques en place, mais des engagements pris pour le futur, par exemple à l'échelle de l'Europe, la neutralité carbone en 2050, c'est le deuxième scénario en jaune. Et là aussi, alors là on a tout un tas de plaques régionales ou de pays au niveau international qui ont pris des engagements, je viens de citer l'Europe. Il y a eu la Chine, gros émetteur important, donc il s'est engagé sur la neutralité en 2060. L'Inde, alors l'Inde, ça ne tient pas compte des résultats de la COP27, qui à mon avis ne change pas énormément les choses, si ce n'est que j'ai cru entendre que l'Inde avait pris un engagement, sous condition d'aide je crois, d'aller vers 2050. Malgré tout, quand on fait la somme, et c'est ce que vous voyez sur le graphique, quand vous faites la somme de ces engagements, c'est-à-dire prenez en compte le fait qu'on va le traduire en action. On est encore loin du compte, on est à 2,1 degrés, c'est mieux évidemment, mais on est encore assez loin du 1,5 qui est l'objectif visé de neutralité carbone. Et donc, il y a des engagements importants, hein, des plaques importantes, on pourrait rajouter aussi les États-Unis, évidemment, mais on est encore loin du compte en matière d'engagement, et puis surtout de prise de décision et d'action. Voilà, donc ça c'est le premier point, donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a des éléments positifs, je vous ai mis sur la deuxième, non, slide numéro 3, mais la deuxième slide de contenu. Un élément positif, c'est que pour la première fois depuis longtemps, les investissements dans les énergies propres, on va dire pour faire simple, ont dépassé assez largement d'ailleurs les investissements dans les hydrocarbures à l'échelle mondiale. Donc il y a bien un mouvement qui est en cours où collectivement on investit sur des énergies propres. Vous voyez sur les courbes, hein, il faut en gros gommer quand même la période Covid, parce que dans la période Covid, les investissements dans les hydrocarbures n'y en avait pas beaucoup. Mais même si vous réfère à des périodes antérieures sur les hydrocarbures, vous voyez que, par exemple, en 2022, très clairement, la partie verte, c'est le code couleur est évident. Donc les investissements dans le vert sont passés assez nettement au-dessus, y compris en 2022, hein, l'année en cours, devant les investissements hydrocarbures. Donc il y a bien un mouvement vers la transition énergétique collectivement, mais on est encore, à nouveau, je le redis, loin du compte. Parce que quand on reprend les scénarios désirés, notamment le scénario de neutralité carbone, il faudrait multiplier ces mêmes investissements dans la partie verte par un facteur 4. Donc ça, voilà, on investit beaucoup, mais il faudra encore faire 4 fois plus. Et puis le troisième slide, puis après je vais passer à l'illustration technique de ce qui est fait dans l'institution, IFPEN. On toujours ces références AIE qui fait un très gros travail pour aider tous les pays dans le déploiement de solutions. Ils ont essayé de voir par rapport à ce qu'on veut faire en matière de décarbonation notamment, sur quoi il faut agir. Alors c'est le slide numéro 4, donc le troisième slide. Alors première chose, premier commentaire, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas une solution qui emporte tout. Hein. Il faut agir sur plein de leviers. Parmi les premiers leviers classiques, hein, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc vous voyez qu'ils ensemble ont l'air de représenter à peu près plus de 10% de l'effort à faire. Les véhicules électriques aussi représentent une part qui est pas négligeable. À horizon, c'est des horizons 2050 là, qui sont regardés. L'hydrogène a une part, c'est pas la plus importante, mais à 2050, il y a une part de la solution qui arrive par l'hydrogène. Évidemment, solaire et éolien ont une part assez significative. Tout pour ce qui concerne, et on revient au thème de la dépendance aux hydrocarbures pour les usages, évidemment, les biocarburants ont aussi un rôle à jouer, assez important. Et les autres ENR que le solaire et éolien ont un rôle important. J'ai mis le chiffre pour la géothermie, au passage, sur lequel on... BRGM travaille, nous aussi d'ailleurs. Géothermie représente
à peu près dans le mix énergétique 2050, à peu près 6%. On a mis aussi un petit encart avec le nucléaire, c'est de l'ordre de 12%, qui a vocation à doubler à l'échelle mondiale, hein, je ne parle pas de la France, à l'échelle mondiale dans ces scénarios. Et puis, le dernier point qui est un peu moins connu, ou encore moins connu, c'est la partie captage justement de CO2 et stockage de CO2, c'est ce qui est sous le doux nom de CCUS, hein, c'est l'acronyme anglais, qui représente une part tout à fait significative des solutions, et notamment pour protéger l'industrie, pour décarboner l'industrie, et quelque part éviter qu'elle ne parte ailleurs. Et donc, pour trouver des solutions pour l'industrie, le CCUS est absolument indispensable. Et pas que pour l'industrie, ça peut aussi servir dans la production d'électricité par voie de gaz, par exemple. Donc, vous voyez, une variété de solutions avec un certain nombre de postes quand même relativement importants. Et sur une partie de ces solutions techniques, IFPEN investit massivement. Je vais rapidement les balayer. Il y a trois slides. Hein. Première solution, je viens de parler du CCUS. Captage, stockage ou valorisation du CO2 en français. Alors, premier message, c'est que ces technologies de captage sont matures et efficientes. Elles sont matures et efficientes. Matures, on a des procédés qui sont... Alors, c'est pour ça qu'il y a des jolies figures avec des couleurs. C'est le nom des procédés qui est illustré. Mais le premier, Dynamix ou DMX, il tourne actuellement sous forme d'un gros démonstrateur industriel depuis quelques semaines sur le site d'Arcelor à Dunkerque. Donc et on va le tester pendant environ une année pour avoir la validation qu'effectivement c'est au point. Et donc on est très très près de la maturité pour pouvoir déployer. Efficiente, c'est-à-dire que les taux de captage de CO2 avec les procédés qu'on utilise peuvent aller au-delà de 95%. Donc c'est quand même une solution relativement efficace, alors qu'il y a un prix, c'est le deuxième bullet point. Mais les coûts de ces technologies, qui sont encore une fois matures et efficientes, disponibles pour le marché français, mais pour d'autres marchés, hein, qui sont potentiellement... les coûts estimés sont supérieurs au prix du carbone sur le marché européen. Mon message, c'est le jour où le gouvernement veut déployer, il y aura à combler le trou d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit faire des réglementations, soit donner des quotas, soit un mécanisme qui permet de combler ce gap. Je vais vous donner une estimation que l'on a sur le procédé qui tourne actuellement à Dunkerque. On en a un autre qui tourne actuellement en Chine ou va tourner en Chine. Le prix pour le procédé sur Dunkerque, donc une aciérie, j'ai oublié de le rappeler, c'est de l'ordre de 120 euros la tonne évitée, comprenant à la fois le prix du captage, de la capture, le prix du transport du CO2 et le prix de son stockage dans un gisement qui est proposé pour l'instant par le gouvernement norvégien qui s'appelle Northern Line. Donc, tout compris, 120 euros la tonne. Il est évident qu'actuellement, le coût du CO2 sur le marché européen, par le système ETS, et il est à 75. Donc, il y a quand même un gap encore significatif. Et je pense que ce gap, même après déploiement industriel, s'il a lieu, il va rester quand même, il va rester là. Alors, sauf si le marché change, sauf si les conditions du marché changent, etc. Donc là, il y aura besoin de réglementation pour déployer de quelque chose, d'un dispositif. Troisième message, mais je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion, y compris avec le BRGM. Le stockage du CO2 reste globalement indispensable. Je vais y revenir tout de suite pour l'illustrer. Il y a des questions techniques, évidemment. La question de l'intégrité à long terme des sites. Le fait qu'il reste étanche une fois qu'on y a mis le CO2, qu'on a fermé, que ça reste étanche, il y a des démonstrations à porter. C'est un sujet qui se présente plus facilement techniquement, bien plus facilement qu'un autre sujet que j'ai beaucoup connu, qui est l'enfouissement des déchets radioactifs. Là, on parle de durée de vie ou de nocivité, ça se compte en 100 000 ans. Là, c'est plutôt de l'ordre de 100-200 ans, compte tenu de la physique propre au CO2. Malgré tout, il y aura la question, il faudra y répondre, documenter, il faut des sites, il faut qualifier les sites pour cet objet-là. Donc il y a un très gros travail. Et puis par ailleurs, il y a un problème une question d'appropriation sociale. Le stockage que j'ai évoqué, c'est un ancien site gazier en mer. À l'évidence, il y a moins de difficultés d'acceptation. J'aime pas beaucoup le mot, mais d'acceptation. À l'évidence, si on imagine plutôt effectivement un stockage souterrain sur notre territoire à terre, c'est évidemment plus compliqué.
Donc il y a un travail à faire, mais en même temps, le stockage du CO2 est relativement indispensable. L'autre voie qui est la réutilisation du CO2, c'est de le réutiliser sous une forme ou sous une autre, existe, on y travaille. Il y a une des voies qui consiste à transformer ce CO2 à nouveau en hydrocarbures en mettant de l'hydrogène, si possible vert, il est fort, c'est même, il faut que ce soit vert, de l'hydrogène vert, le jour où on en aura en masse, de le recombiner avec du CO2 pour faire finalement H et C des hydrocarbures, qui sont, alors il faut qu'ils soient évidemment bien, mais ça, c'est une réutilisation matière du carbone. Il y a une autre utilisation matière qui est envisagée, c'est de la réinjection dans les ciments. Simplement l'estimation de ces gisements-là, quantité de ciment consommé. Alors hydrocarbures, ça doit pouvoir aller plus loin. Mais ça a un coût là aussi. Mais pour les ciments, ben, on va pas, c'est quelques pourcents maximum qu'on peut envisager. Et au final, les estimations des experts actuellement, hein, on aura peut-être d'autres idées, c'est que la partie réutilisation, notamment sous forme matière, est relativement faible par rapport à ce qu'on a à faire, à capter. Et les estimations partagées pour l'instant, encore une fois, les choses peuvent changer, mais c'est de l'ordre de 8%. C'est pour ça que je disais que le captage, il faut le garder dans le viseur, parce que c'est quelque chose d'important. Et là, voilà, ça vous parle aussi. Hein. Deuxième techno-stratégique sur laquelle nous sommes. Alors, je précise, sur le CCUS, on est considéré parmi les organismes de recherche dans le monde comme leader. Hein. Donc, parmi les plus actifs, même les plus actifs d'ailleurs. Deuxième sujet qui est absolument essentiel, c'est les biocarburants. On parlait de substituer le pétrole, les produits hydrocarbures. Actuellement, là aussi, le message est le même. Les procédés existent qui permettent, alors je le précise, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le biocarburant avancé. Avancé, ça veut dire la génération actuelle du biocarburant utilise, parfois en tout cas, des ressources agricoles et alimentaires. Ceux qu'on a dans nos voitures, etc. Bon, il y a à peu près 7% d'incorporation en moyenne sur les moteurs de tout type en France, d'incorporation de biocarburants. C'est des biocarburants de la première génération. Donc, qui posent une question d'utilisation de cette ressource-là à des fins de création de carburant. Ce dont je vous parle, là, c'est les biocarburants de la deuxième génération qui utilisent uniquement des déchets forestiers ou agricoles. Donc des choses qui n'ont pas d'autre utilité. Et on a les techniques, les technos au sein d'IFPEN, qui sont brevetées, etc., et disponibles. Certaines sont. On a des projets en cours qui sont en train de commencer à sortir de terre. On est capable de faire n'importe quel type de carburant. On peut notamment faire des carburants aviation. On peut faire des diesels, on peut faire des essences. Il suffit de passer la commande, quoi, si je peux me permettre, de ce que l'on veut. Et ça, c'est tout à fait faisable. Là, je reviens à votre thème de réflexion. Par définition, c'est évidemment, ça n'a de sens en termes de CO2 que si on récupère de la ressource qui est chez nous et qu'on met l'usine pas loin. Donc, clairement, c'est un moyen aussi de créer des emplois sur l'ensemble de notre territoire. Par ailleurs, qui porte une partie de la transition énergétique, est parfaitement souverain. Puisque là, c'est produit chez nous, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Alors, j'ai demandé, avec ce type de ressources, les résidus, jusqu'où peut-on aller en termes de fabrication de biocarburants. L'estimation, c'est qu'on peut aller jusqu'à à peu près 33% d'incorporation. On est à 7, on peut aller faire un x5, en gros. Pour mettre 5 fois plus. Alors, une remarque qui c'est pas à moi d'y répondre, ce n'est pas 100%, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre toutes les questions de transport par la substitution des hydrocarbures par des biocarburants, mais une fois qu'on a. Mais ce n'est pas négligeable, on peut aller beaucoup plus loin. Et en particulier, moi, c'est une remarque ou une question, je ne sais pas comment il faut le formuler, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à. Qui on sert en premier? Et à mon avis, la bonne réponse, c'est qu'il y aura intérêt à servir ceux qui n'ont pas d'autre solution parmi les transports. Alors actuellement, il y a le véhicule électrique qui est certainement une solution pour les véhicules automobiles à terme. Mais à terme, sur l'aviation, pas évident qu'on trouve une solution et les voies hydrogène sont, à mon avis, un peu complexes. Donc il y a peut-être une méthode, une solution disponible sur notre territoire pour décarboner l'aviation. Donc voilà, j'insiste.
et aussi les poids lourds aussi qui n'ont pas la solution électrique pour l'instant évidemment n'est pas à la hauteur. Avec ce même type de ressources, on peut aussi faire des produits. On peut fabriquer des plastiques, bioplastiques. Là aussi, à peu près tous les types. On a les derniers travaux en cours qui concernent le PVC, mais on peut a priori refabriquer tout type de plastique à partir d'une charge bio de deuxième génération. Donc là aussi, les procédés existent. Alors, et c'est un moyen là aussi de souveraineté ou d'indépendance plutôt, parce que c'est autant de pétrole qu'on n'apporte pas d'une manière ou d'une autre pour fabriquer les plastiques, Donc c'est fait partie des solutions qui sont aussi contribuées à vos débats. Dernier point, mais ça c'est aussi un sujet d'arbitrage, c'est que c'est cette même ressource, vous le comprenez, sert à plusieurs utilisations. On peut faire des carburants, on peut faire des produits. Au passage, on travaille avec, sans trahir un secret, avec Michelin pour faire des biopneumatiques. C'est-à-dire, c'est pas des pneus économes en énergie quand ils roulent, c'est des pneus qui sont fabriqués à partir de matières bio. Donc on n'est pas dans la science-fiction. Ça va commencer à tourner dans les prochaines semaines sur le site de Bassins, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. Simplement, il y a un commentaire, c'est pour la puissance publique en général, c'est que cette même ressource peut servir à plusieurs usages. Donc là aussi, il y a peut-être aussi à organiser une régulation pour essayer de favoriser les usages que l'on souhaite développer et peut-être restreindre d'autres usages. Donc il y a peut-être un choix à faire. Encore une fois, la ressource, ce n'est pas 100%, c'est en toi. Donc voilà, donc il y a des choix à faire d'utilisation de cette ressource. Troisième et dernier slide sur le fond. Là, j'étais dans le bio. Tout ce qui est économie circulaire, vous allez aussi en parler. Il y a des travaux en cours assez avancés. Là aussi, c'est quasi mature, de recyclage chimique des plastiques. Là aussi, avantage, on gagne en ressources pétrolières, puisqu'on fait tourner la matière sur notre sol quelque part. On la réutilise. Il y a évidemment un avantage environnemental par rapport au plastique, de les recycler et ne pas les mettre dans la nature, en clair. Donc là aussi, ces procédés sont matures et ils permettent, par rapport à ce qui est fait actuellement, c'est du recyclage mécanique. Alors, il a ses vertus, simplement, la qualité du produit issu du recyclage mécanique est beaucoup moins bonne que le produit d'origine, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus d'intérêt à recycler, parce que de toute façon, le produit que vous allez sortir n'aura pas de débouché ou n'a pas de valeur. L'intérêt des recyclages un peu plus profonds, chimiques, c'est qu'ils permettent de refaire ce que vous voulez, et dans le même grade, la même qualité qu'à l'origine, si vous le souhaitez. Donc c'est parce qu'ils sont un peu plus profonds, typiquement, quand on parle de plastique, ça s'appelle des polymères, on revient aux monomères, en enlevant les impuretés, et on refabrique absolument ce que l'on veut. Et là aussi, on a des démonstrateurs industriels qui tournent. Il y en a un qui va tourner l'année prochaine au Japon, avec une petite entreprise qui récupérait des vêtements, en l'occurrence. Voilà, donc on attend de vérifier. Mais là aussi, technologie mature, à un an, deux ans près, tout ça est prêt à être délivré sous réserve. Alors évidemment, sous réserve que les réglementations le rendent possible, faisable. Là aussi, c'est de la souveraineté, le recyclage des plastiques. Il ne faut pas être trop loin pour que tout ça ait un sens de l'endroit où on les a collectés. Il faut que l'usine soit là. Voilà, c'est aussi de l'emploi territorial. Et par ailleurs, pour le CO2, c'est plutôt effectivement potentiellement une bonne solution. Donc il y a beaucoup des choses qui sont dans la transition, mais la transition énergétique, qui sont aussi, qui vont dans le même sens. Donc c'est ce que je viens d'essayer d'illustrer. Je vais m'en arrêter là. Et encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas hors de portée. Ce n'est pas de la science-fiction qui sera disponible dans 10 ans, 15 ans. C'est plutôt là, quelques années près, quoi. Enfin, le temps de bien valider les choses. Merci beaucoup. Pour tout ça, il faut des ressources en matière première. Plus le sujet du BRGM. Donc je vous laisse poursuivre, monsieur le directeur général délégué. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, mesdames et messieurs les députés, effectivement, je vais vous, en quelques minutes, brosser un peu un tableau
des sujets du lien qu'il peut y avoir entre donc les ressources minérales au sens large, et notamment ces fameux métaux stratégiques, et les enjeux énergétiques, les enjeux de transition énergétique. Alors peut-être permettez-moi d'abord en quelques mots de préciser d'où je parle. C'est donc le BRGM, hein, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, est un établissement public français à intérêt commercial, hein, qui a maintenant plus de 60 ans d'âge et qui remplit une double fonction. Non seulement d'être un établissement de recherche, hein, sous tutelle du ministère de la Recherche, en charge de développer donc des programmes autour de tous les usages, les ressources et les risques du sous-sol, et également d'assurer le rôle de service géologique national, et donc à ce titre-là de capitaliser l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir sur le sous-sol de nos territoires et sur les besoins en ressources dont on peut avoir besoin pour nos sociétés et notre industrie. Alors, comme vous le voyez dans le petit cartouche en bas du transparent 2, nous avons 6 enjeux majeurs sur lesquels nous sommes impliqués. Et vous voyez qu'il y en a 2 qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Donc, il y en a un qui est vraiment concerne l'usage du sous-sol pour la transition énergétique. Vous l'avez précisé, Monsieur le Président, dans votre introduction. Effectivement, on a des ressources, on a des espaces de stockage. Et le sous-sol est effectivement un lieu, je dirais, important pour déployer correctement la transition énergétique. Deuxième point, et c'est le sujet sur lequel vous nous aviez interrogé et donc sur lequel je vais focaliser mon intervention, c'est effectivement également le lieu dans lequel on va aller puiser, on puise de longue date, j'allais dire, hein, depuis l'origine des temps, finalement, nos ressources minérales dont on a besoin pour construire nos procédés, pour construire notre industrie et tous les objets qui font notre vie de tous les jours. Donc c'est sur ce point-là que je voudrais donner quelques éléments d'éclairage générique, général, hein, qui pourront servir à alimenter le débat qui suivra et qui vous donneront un certain nombre d'éléments de réponse par rapport aux questions que vous nous aviez posées. Alors, premier point, et vous le voyez sur le transparent suivant, le transparent 3, vous voyez qu'on a 3 grands moteurs qui, aujourd'hui, conduisent à une augmentation significative des besoins en ressources minérales. D'une part, la croissance d'un certain nombre de pays qui continue, notamment sous l'influence de la croissance de la population. Mais, et surtout, et c'est le point sur lequel je voulais insister, 2 grandes transitions qu'on est en train de déployer de manière simultanée dans la plupart des pays du monde, à savoir la transition énergétique pour se départir des ressources fossiles et pouvoir aller vers des énergies décarbonées, et puis également la transition numérique. Or, l'une et l'autre de ces transitions font appel à des quantités de ressources minérales de plus en plus importantes, de plus en plus diversifiées, et qui nécessitent des degrés de pureté de plus en plus forts. C'est ce que représente un peu, vous voyez, ce schéma à droite, hein, où vous voyez que, si je suis un peu caricatural, le monde du début du XXe siècle fonctionnait sur moins d'une dizaine de métaux, finalement, qui servaient à construire tous les objets de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on en est à une 60aine, et je ne doute pas que dans quelques décennies, on utilisera l'intégralité des éléments chimiques dont on dispose sur cette Terre. Donc, évidemment, tout ça n'est pas sans conséquence sur les ressources. Alors, qu'en est-il de la transition énergétique à proprement parler, puisque c'est le cœur de notre propos aujourd'hui? Je passe au transparent 4. Vous voyez que ce qui caractérise la transition énergétique, et je vais regarder la figure en bas à gauche, c'est que les technologies qu'on va avoir besoin de déployer sont des technologies qui sont extrêmement gourmandes en ressources minérales. Vous le voyez, quand on compare, par exemple, aujourd'hui, une installation de production électrique à partir du charbon, je prends cet exemple parce que vous savez que ça représente la source principale à l'échelle mondiale de l'électricité, et que je la compare à une éolienne offshore, qui est aujourd'hui un peu ce qu'on envisage de déployer dans beaucoup de pays, bah finalement, par mégawattheure installée, donc par capacité à produire de l'énergie, il va nous falloir 6 fois plus de ressources minérales pour cette technologie d'éolienne offshore, par comparaison à ce qui constitue aujourd'hui le cœur du mix énergétique mondial. Et ce que je viens de vous dire là, vous pouvez raconter exactement la même histoire sur les usages. C'est-à-dire que si vous comparez un véhicule thermique par rapport au véhicule électrique, bah là aussi, grosso modo, vous avez 6 fois plus de métaux dans votre véhicule électrique. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a devant nous, permettez-moi l'expression, un mur en termes d'augmentation des besoins en ressources minérales de manière à répondre à ces enjeux de transition énergétique. Et vous avez une illustration toujours sur Transparent 4, hein, qui sont des chiffres qui proviennent de l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez qu'elle nous dit que, grosso modo, d'ici 2040, il va nous falloir 40 fois plus de lithium, il va nous falloir 20 fois plus de nickel et de cobalt, il va nous falloir 7 fois plus de terres rares. Tout ça, j'allais dire, à fonction constante. Donc, évidemment, la question de savoir comment on peut approvisionner ces ressources est centrale, et centrale notamment pour permettre de déployer correctement ces transitions. Alors, je passe au transparent suivant, juste pour, je vais le présenter très rapidement, mais pour que vous preniez conscience que, au-delà des
porte-drapeau qu'on connaît tous du lithium, du cobalt, du nickel, des terres rares dont on parle fréquemment dans les journaux ou dans les débats. Les besoins sont beaucoup plus variés. Donc vous avez ici un tableau de Mendeleïev, c'est l'ensemble des éléments chimiques qui sont présents sur la Terre. Et vous voyez que tous ceux qui apparaissent sur fond jaune sont des éléments dont on va avoir besoin pour la transition numérique et sur fond bleu pour la transition énergétique. Autrement dit, derrière finalement ces éléments importants que je viens de mentionner, il y en a toute une ribambelle d'autres dont certes on va avoir besoin sans doute en quantité moins importante, mais ce n'est pas parce que la quantité est moins importante que leur rôle n'est pas crucial. Si vous n'avez pas, une micro-quantité d'indium, par exemple, dans votre silicium de votre panneau solaire, il ne répondra pas de la même manière à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire produire de l'électricité. Donc tout ça pour dire que voilà, on a vraiment une explosion de la demande en ressources minérales en termes de quantité, en termes de qualité et en termes de diversité. Et donc être capable de répondre à cet enjeu, évidemment crucial. Et je ne peux que vous redire ce que vous avez sûrement déjà lu, parce qu'on le cite classiquement. On estime que, grosso modo, il va nous falloir sortir d'ici le milieu de ce siècle autant de ressources minérales du sous-sol, si on veut déployer ces transitions, que ce que l'homme a pu en sortir depuis les débuts de l'âge du fer. Donc c'est évidemment colossal. Alors qu'en est-il de l'Europe, qu'en est-il de la France dans ce paysage ? Je passe au transparent 6. Vous voyez que dans la petite figure que vous avez en bas, à gauche, vous voyez le pourcentage d'importation des ressources minérales pour un certain nombre de métaux. Et vous voyez que sur une bonne partie de la figure, on est à 100%. Autrement dit, pour une bonne partie des ressources minérales dont on a besoin aujourd'hui, et notamment celles qui sont utiles pour la transition énergétique, je parle du lithium, je parle du cobalt, je parle des terres rares, on est 100% dépendant des importations à l'échelle européenne. Nous n'avons pas de production ou nous n'avons plus de production en local. Et ça concerne aussi bien la partie mine, qui n'existe plus, que la partie industrie de transformation, industrie de raffinage, que là aussi, qui a été amenée, à être transférée vers des pays tiers, il y a de ça maintenant plusieurs décennies. Globalement, sous l'influence de deux critères importants, qui étaient effectivement, c'était des pays à bas coût de main-d'œuvre et c'était aussi sans doute des pays qui étaient moins regardants sur les aspects impacts environnementaux. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec une forte dépendance et puis, ne nous le cachons pas, également avec des enjeux éthiques qui sont importants. Alors, est-ce pour autant est-ce qu'on peut penser qu'on va trouver dans le sous-sol les ressources dont on a besoin pour répondre à l'ensemble de ces enjeux? Ce que vous voyez sur la carte mondiale à droite du transparent 6, c'est qu'aujourd'hui, les investissements dans l'industrie minière à l'échelle mondiale sont colossaux. Ils dépassent les 1 000 milliards de dollars. On a vraiment une mobilisation. Vous noterez que pour autant, elle concerne relativement peu notre pays. J'y reviendrai dans un instant, mais ça doit quelque part nous interpeller. Et que d'autre part, malgré l'ampleur de ces investissements, aujourd'hui, on estime qu'on va avoir une difficulté à répondre à la demande en temps et en heure parce que la croissance pour notre transition énergétique est extrêmement rapide. Quand vous dites qu'il faut 40 fois plus de lithium d'ici 2040, vous imaginez le nombre de nouvelles mines de lithium qu'il va falloir ouvrir dans un temps extrêmement court pour répondre à cette demande. Donc, pour une bonne partie de ces ressources, l'enjeu, ce n'est pas tant la quantité disponible que d'être capable de répondre en temps et en heure pour tenir les échéances des trajectoires économiques, des trajectoires industrielles qu'on s'est collectivement donné, je pense en particulier à celles qui concernent la mobilité électrique. Alors, par rapport à ça, vous le savez, le gouvernement a lancé un certain nombre de réflexions. Philippe Varin a remis un rapport en début de cette année au gouvernement avec un certain nombre de pistes d'action sur un certain nombre d'entre elles sur lesquelles on est impliqué. Donc c'est ce que vous voyez dans le transparent 7 sur lequel je voudrais dire quelques mots maintenant. Globalement, quatre bras de levier qu'il faut sans doute qu'on actionne de manière collective à l'échelle du pays. Le premier, on s'aperçoit qu'on a un manque de connaissances précises des chaînes d'approvisionnement pour l'ensemble de ces ressources minérales, pour l'ensemble de ces métaux, ce qu'on appelle les chaînes de valeur minérale dans le jargon. Et ces chaînes, elles sont extrêmement complexes. Vous le voyez sur le schéma, entre la matière qui peut sortir d'une mine, qui va ensuite traverser moult usines de transformation avant de se retrouver dans votre voiture sous forme de batterie. Tout ça, ça fait des étapes complexes qu'il faut maîtriser si on veut être capable de garantir que vous avez bien la ressource pour fabriquer votre voiture et la démarrer. Donc par rapport à ça,
Nous avons pris l'initiative avec un certain nombre d'établissements partenaires, dont l'IFPEN ici présent, de mettre en place un observatoire national sur les ressources minérales qui s'appelle l'OFREMI. Vous avez sa description au transparent 8. Cet observatoire va être financé pour partie par les pouvoirs publics, en particulier durant la phase d'amorçage par le programme France 2030, et puis également par les filières industrielles, hein, qui sont évidemment les premières clientes de cette information. Et il va y avoir trois grands objectifs dans cet observatoire. C'est vraiment d'être capable de décrypter, comprendre, connaître, simuler l'ensemble de ces chaînes de valeur dont je viens de vous parler, de manière à donner de la visibilité, de l'intelligence collective à nos filières industrielles. Deuxièmement, parce que quand vous voulez prendre des décisions d'investissement, ce qui compte, ce n'est pas tant la situation aujourd'hui que celle de demain. Également, faire un travail de prospective sur l'évolution de la demande. Je reprends toujours l'exemple des batteries. Aujourd'hui, on a des batteries qui s'appellent lithium-ion, avec un certain nombre d'éléments, nickel, cobalt, manganèse, dont je viens de vous parler. Est-ce que c'est encore ces technologies qui seront pertinentes dans 10-20 ans pour un industriel qui veut mettre des milliards dans une mine ou dans une industrie, c'est important d'avoir cette visibilité et d'être capable de se projeter. Donc, on va également faire des scénarios de demande et de manière à pouvoir mettre l'un en regard de l'autre. Et puis, dernier point, il faut également qu'on soit capable d'apprécier les risques derrière tout ça. Quels sont les risques de rupture des chaînes d'approvisionnement liés à des événements climatiques, à des événements sociaux, à des événements logistiques, à des événements géopolitiques. Et évidemment, le conflit en Ukraine ne fait que mettre de l'acuité encore plus forte sur ces questions. Et donc, c'est bien l'objectif de cet observatoire que de pouvoir apporter des éléments pour alimenter les décisions des pouvoirs publics et également des filières industrielles. Le deuxième grand bras de levier qu'il faut développer, je reviens au transparent 7, hein, c'est le recyclage et l'économie circulaire. Ça a été mentionné par Pierre-Franck Chevet juste précédemment. Les objets en fin de vie, les rebuts industriels, sont des matières qu'on peut réutiliser, qui sont présents sur nos territoires et pour lesquelles il faut qu'on développe une industrie. C'est aussi un moyen de reconquérir une partie de notre souveraineté, de relocaliser de l'activité industrielle plutôt que de renvoyer ces déchets finalement dans des pays tiers qui vont mener cette activité. Néanmoins, et c'est un point important, il faut avoir conscience que ça ne couvrira jamais 100% de nos besoins. Donc c'est une étape indispensable, mais ce n'est pas une étape suffisante. Et donc si ce n'est pas suffisant, malheureusement, la seule source alternative qu'on a, hein, c'est de revenir, je dirais, aux ressources du sous-sol. Et donc ça m'amène au troisième sujet, troisième bras de levier, c'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu de redévelopper une industrie minière européenne. Alors pas n'importe comment, qui respecte les standards de mines responsables, c'est-à-dire qui soit faite dans des conditions qui limitent au maximum l'impact environnemental, qui soit co-construite avec les populations locales. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient peut-être croire, on a encore beaucoup de ressources dans notre sous-sol européen. Vous avez au transparent 9 un certain nombre d'illustrations. L'inventaire minier, c'est-à-dire l'inventaire des ressources disponibles à l'échelle française, date aujourd'hui d'une cinquantaine d'années. Il a été fait avec des techniques qui, évidemment, étaient celles de l'époque. On peut faire beaucoup mieux maintenant. Et notamment, on n'est pas descendu très profond. Hein. En gros, on n'est pas descendu en dessous de 300 mètres de profondeur. On est capable d'exploiter des mines jusqu'à plus de 1000 mètres aujourd'hui. Et donc, on a potentiellement des ressources importantes qui pourraient, le cas échéant, si des décisions étaient prises en ce sens, être exploitées et permettre là aussi de compléter finalement le recyclage pour pourvoir à nos besoins. Et par rapport à ça, je ne peux pas ne pas mentionner en particulier le cas du lithium, sur lequel, petit 1, nous sommes un pays particulièrement bien doté. C'est ce que nous dit la géologie. Et petit 2, comme vous le savez, l'industriel français Imerys a annoncé son projet d'ouvrir une mine sur le site des Chassières dans l'Allier à l'horizon 2027. Dernier point, j'en finirai là-dessus. Je l'ai déjà mentionné. Ouvrir des mines, ne doit pas se faire n'importe comment, doit se faire en prenant en compte de manière complètement, de manière la meilleure possible, permettez-moi, tout ce qui sont les contraintes environnementales, de manière à en limiter l'impact, sachant que, comme vous le savez, un projet minier, c'est particulièrement long à mettre en place, hein. Comme vous voyez au transparent 10, on estime, et c'est pas moi qui dis ce chiffre-là, hein, c'est la moyenne des projets mondiaux depuis 15 ans, et c'est un chiffre de l'Agence internationale de l'énergie, qu'entre le moment où vous décidez d'ouvrir une mine et le moment où elle rentre en exploitation, vous en avez pour 17 ans en moyenne. Donc il est important que tout ça puisse se faire en intégrant globalement le cycle de vie des matières, en réduisant l'impact environnemental,
en impliquant les populations locales. Et pour ça, évidemment, il ne suffit pas de le déclamer. Donc il faut des standards, il faut une régulation. Et vous savez que la France joue un rôle extrêmement actif aujourd'hui pour faire émerger une régulation internationale sur ce sujet et la mettre en œuvre sur les différents projets auxquels on pourra être partie prenante. Voilà, et je terminerai juste par un dernier point pour dire que, évidemment, on ne trouvera pas tout dans le sous-sol français, ni même sans doute à l'échelle européenne, même si ça diversifie déjà beaucoup, je dirais, le potentiel. Donc il restera sans doute malgré tout nécessaire, il sera encore nécessaire de procéder à un certain nombre d'importations, évidemment, même à très long terme. Et donc tout ça suppose de la mise en place, évidemment, de démarches concertées entre les pouvoirs publics et les acteurs privés. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie des ressources minérales qui est en train de se structurer sous l'égide donc, du ministère des Affaires étrangères. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme élément, je dirais, de compréhension, de lecture un peu de ces enjeux sur les ressources minérales avant que nous puissions rentrer plus avant dans les questions que vous avez. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'aurais juste une première question avant de passer la parole au rapporteur. Au regard de vos présentations croisées qui, d'une part, démontrent que la décarbonation de la production d'électricité, finalement, nécessite beaucoup de matière pour faire la transition, et que d'autre part, la décarbonation des usages non électriques, notamment le transport, nécessite beaucoup de matière pour faire de l'électrification. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez du pari quasi monotechnologique qui est celui des politiques publiques actuellement sur la voiture électrique. Alors, l'interdiction du moteur thermique à horizon 2035 et le pari sur le seul moteur électrique n'est-il pas en quelque sorte une impasse ? Je me lance. Je pense qu'à terme... Ensuite, on peut discuter du délai. C'est sûr que 15 ans, une quinzaine d'années pour restructurer quelque part l'outil industriel, etc., et déployer ça, il y a quand même une vraie question. Alors, il est prévu de faire un point intermédiaire, en 2026, je crois, mais quand même, il y a une restructuration extraordinairement profonde, extraordinairement rapide, qui est demandée au secteur automobile, qui est quand même très compliqué. Au plan de transition énergétique, le véhicule électrique a un sens variable en fonction des pays où on le déploie. On a IFPEN fait un certain nombre d'études, comme on dit, du puits à la roue, c'est-à-dire des études complètes qui sont publiques. Elles sont sur notre site pour estimer le bilan CO2 notamment de l'ensemble des technologies automobiles et même plus largement transport. Là où en France, il est clair avec notre mix électrique, quand on passe d'un véhicule thermique classique, je passe la nuance essence diesel, et qu'on va vers un véhicule électrique, il y a un gain tout à fait notable. Plus de 60% du bilan complet. Encore une fois, je ne mesure pas le CO2 au pot d'échappement, je mesure l'ensemble du CO2 pour la fabrication, pour fabriquer, à faire acheminer le pétrole, aller dans le réservoir, ensuite sortir dans les pots d'échappement, la déconstruction, enfin il y a tout. Même chose pour les véhicules électriques. Donc, le bilan complet. Donc, en France, véhicule électrique a un sens tout à fait évident, enfin, en tout cas beaucoup plus évident qu'ailleurs, parce que notre mix est décarboné. Et donc, on gagne plus de la moitié du bilan de CO2 entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. À l'inverse, quand on fait le même calcul avec un mix moyen européen de maintenant, le gain est beaucoup plus faible. En gros, la tonne de CO2 évitée, ça vaut cher, hein. Cher. En même temps, on a des politiques européennes qui vont vers effectivement un mix plus vert. Donc, un jour, ça va se rencontrer tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et qu'on prend un mix, par exemple, type Pologne, il est évident que le gain CO2, il est quand même très très léger. Donc, ça suppose déjà pour que ça ait un sens transition énergétique, c'est qu'on fasse le travail en matière de décarbonation de l'électricité. Tous, parce que quelque part, tout ça se mélange sur les réseaux, hein, donc pas que la France. Donc ça, c'est une première condition. Deux, il y a une question industrielle, celle que j'évoquais, c'est le rythme, qui est quand même très violent.
Bon, en même temps, c'est probablement une solution qui a du sens. Ma seule remarque que je voudrais faire en tant que j'ai porté un peu les enjeux de la transition énergétique, c'est qu'un des points qui est essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait du parc existant. Parce que là, on est en train de parler de l'interdiction de la vente véhicule neuf en 2035. Mais voilà, la transition énergétique n'attend pas nécessairement. Et donc, si on commence à enclencher un mécanisme uniquement en 2035, il y a de toute manière un sujet qui est pour moi extraordinairement important, c'est qu'est-ce qu'on fait du parc existant. Qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer, pour trouver des solutions, parce que tout le monde ne va pas racheter des voitures à l'échéance, hein, c'est tout à fait clair. Donc comment, et ça va rester, un parc automobile, normalement, sa durée de vie, c'est ambiance 15 ans, 20 ans. Donc vous voyez, et s'il y a des véhicules thermiques vendus jusqu'en 2035, vous rajoutez 20 ans. Donc il y a une question de fond derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour le parc de maintenant existant. Et celle-là, la réponse, elle n'est pas totalement, un peu pas évidente. Il y a une part de la solution qui peut être les biocarburants en augmentant le taux d'incorporation dans les véhicules. C'est ce qu'on fait actuellement, donc ça ne change pas la logistique, ça ne change rien, on peut le faire. Mais voilà, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait du parc existant, qui restera encore majoritaire en 2035, évidemment, voire très majoritaire, me paraît central pour la transition énergétique. Et celle-là, il y a certainement des textes, parce que l'architecture des textes européens qui sont en train de sortir est particulièrement complexe, mais sur la partie biocarburant, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Il y a en tout cas quelque chose à dire politiquement sur qu'est-ce qu'on propose pour le parc existant. Il y a des gens qui ne vont pas changer de voiture, encore une fois, même malgré des aides de l'État, mais etc. Donc c'est un vrai sujet. Donc, peut-être que je peux compléter. Je voudrais faire une réflexion en trois points. La première, c'est de, par rapport à votre question, quant à la disponibilité des ressources, ce qu'on voit aujourd'hui, et alors je tiens à être vraiment précis dans ce que je vais dire, c'est avec les technologies actuelles, hein, c'est-à-dire en supposant qu'on continue sur des technologies de batterie telles que j'ai mentionnées, etc., là, on n'est pas à l'abri que celles-ci évoluent, mais aujourd'hui, l'analyse, elle est basée là-dessus. Donc, si on veut faire du tout électrique en 2035, vu d'aujourd'hui et encore une fois avec les technologies existantes, on n'aura pas à cette date-là assez de lithium et probablement pas assez de cuivre. Donc on va avoir un frein au déploiement du véhicule électrique à l'échéance 2035 sur certaines des ressources minérales. Alors par rapport à ça, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs réponses possibles. La première qui est de dire ça va se décaler dans le temps, on s'est donné un objectif ambitieux et on va faire aussi bien qu'on peut en fonction des ressources disponibles. La deuxième, c'est que peut-être que l'objectif à cet horizon-là n'est plus d'avoir le même nombre de véhicules. C'est aussi une autre manière de répondre à la question. Mais en tout cas, je dirais il y a vraiment un point de réflexion à avoir là-dessus. Le deuxième point que je voudrais donner dans le débat, c'est que il faut bien avoir conscience qu'un véhicule électrique, je suis d'accord avec vous, émet zéro CO2 au moment où quand il roule. Par contre, il embarque quand même pas mal de CO2 lié à sa construction et en particulier, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de ressources minérales et ces ressources minérales, elles ont elles-mêmes nécessité d'émettre beaucoup de CO2. Donc, il faut bien avoir conscience que même en faisant rouler un véhicule électrique, en fait, si vous moyennez, je dirais, le CO2 qui est lié à sa construction, vous continuez à émettre du CO2. Et auquel cas, une fois que vous avez dit ça, ça veut dire que peut-être qu'il faut et c'est mon troisième point, qu'on ait une réflexion plus globale, c'est-à-dire plus système, et de se dire que peut-être qu'on a des solutions, il faut qu'on fasse émerger des solutions différentes en fonction des usages. Je pense qu'on conviendra tous que le véhicule électrique sur des transports journaliers, des transports domicile-travail, en ville, etc., il n'y a aucune discussion. C'est évident que c'est très bénéfique, y compris d'ailleurs pour l'air qu'on respire les citadins. Par contre, en revanche, pour des déplacements longue durée, je pense que la question mérite d'être posée, surtout quand si on commence à réfléchir en termes d'infrastructures pour alimenter ces véhicules long des autoroutes, par exemple. Mais je pense que mon collègue pourra en parler beaucoup plus largement que moi. Mais on voit que c'est pas forcément... En fait, quand on fait un bilan global système à l'échelle du pays, c'est les solutions-là qui seraient les plus vertueuses à partir du moment où, encore une fois, un véhicule électrique continue à embarquer du CO2 et finalement peut, dans certaines conditions, se retrouver assez proche de ce qu'émet un véhicule thermique à très basse émission. Et du coup, notamment pour IFP Énergie Nouvelle, vous qui travaillez sur les perspectives de solutions, quelles alternatives à ce choix monotechnologique ? Parce que vous avez longuement parlé du constat et de l'impasse que peut représenter le choix actuel. Quelles autres solutions technologiques
même si elles ne sont pas matures, que vous avez dans le scope aujourd'hui, que vous monitorez? Alors, il y en a d'abord une qui relève, ce qui n'est pas une perspective lointaine, hein, je l'ai cité, c'est les biocarburants quand même. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, il y en a, enfin, il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas dans toutes les pompes, mais enfin, quand vous, B7, E95, tout ça, c'est du biocarburant. Quand il y a un E ou un B, quand c'est du diesel, c'est du biocarburant. Alors, première génération. Les deuxièmes générations sont prêtes. Donc, il faut appuyer sur la touche, il faut le décider, mais c'est une solution, et c'est surtout une solution aussi pour le parc existant. Je me permets de le redire, parce que cette question-là, pour moi, est absolument centrale. Parce que dire qu'on va commencer à faire des choses en 2035, c'est bien, mais enfin, je pense qu'il y a une urgence qui est un peu plus grande. Donc ça c'est disponible. Alors, il y a d'autres voies qui sont peut-être à explorer, probablement pas sur le segment voiture, je pense. C'est tout ce qui est pile à combustible, hydrogène et pile à combustible. On est en train de tester à Yves Penn, justement, un de ces véhicules, qui est une Toyota Mirai, pour vérifier ce qu'il en est, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes. On s'est aperçu qu'il y avait quelques fuites d'hydrogène, alors que le véhicule est à l'arrêt, donc ce n'est pas totalement rassurant. Et par ailleurs, je signale quand même que l'hydrogène, globalement, est aussi un gaz à effet de serre. Hein, donc, mais c'est possible, ça a un coût. Hein, ces véhicules ont un coût assez important. Au passage, si on veut le déployer, il faut avoir développé une filière de production d'hydrogène. Donc là aussi, il y a un sujet de timing pour que ça soit mûr et disponible. Alors, on est en train, nous, par ailleurs, d'explorer. Alors, je pense plutôt au segment plutôt véhicules lourds, plus lourds, qui ont besoin d'embarquer, donc qui ont besoin de plus d'autonomie énergétique quelque part. Donc, je pense aux camions, je pense aux grosses camionnettes, je pense aux fluviales, aux maritimes aussi, de voir si on ne peut pas, plutôt que d'utiliser des piles à combustible, utiliser directement en combustion directe dans un moteur, finalement, qui est un moteur thermique, mais directement de l'hydrogène. Ce qu'on fait dans un véhicule thermique actuellement, c'est jamais qu'on récupère l'hydrogène dans les hydrocarbures. Et on le fait s'oxyder, ça fait... Donc la molécule d'intérêt dans un hydrocarbure, c'est pas le carbone, qui est plutôt un sous-produit, une sorte de déchet, on va dire, c'est fondamentalement l'hydrogène. Donc c'est pas idiot de revenir à l'hydrogène si on arrive à le purifier avant. Donc on est en train de faire des tests actuellement, j'y étais ce matin, sur notre site de Lyon, d'injection directe d'hydrogène 100%. On a eu de très bons résultats à la fois en termes d'efficacité et même de pollution de l'air, parce qu'il y a toujours un risque de pollution de l'air sur des moteurs type voiture. Alors, ce n'était pas notre cible, hein. Je le redis, c'était les camions, mais simplement les véhicules voitures sont moins chers. Les moteurs sont moins chers. Donc, on a fait les premiers tests voiture, ça marche bien. En particulier, c'est pas un scoop, hein. Sur un moteur voiture. Donc, on l'a amendé, modifié pour qu'il passe à l'hydrogène, 100%. Et on a fait des mesures de pollution de l'air sans pot d'échappement, directement en sortie de cylindre. Et on respecte les nouvelles normes Euro 7. Donc, voilà, ça, c'est quand même pas mal. Mais par contre, il faut qu'on fasse, et c'est ça qui est en cours actuellement sur notre site de Lyon, on fait les tests sur des moteurs poids lourds qui sont un peu différents parce qu'ils ont une chambre de combustion qui est beaucoup plus grosse. Un moteur poids lourd, un cylindre, c'est une cylindrée de 2 litres, donc c'est beaucoup plus grand. Et donc pour maîtriser la combustion dans un volume beaucoup plus grand, donc ça va tourner, ça tourne déjà sur certains moteurs, ça va continuer à tourner en début d'année prochaine, puis on reviendra. L'intérêt de cette solution, elle n'est pas exclusive de la solution pile à combustible, mais elle est peut-être plus accessible rapidement, donc ça peut être un élément de solution intermédiaire, peut-être avec un coût moindre, qui permettent de faire monter en puissance à la fois la production d'hydrogène, parce que là aussi, il y a une question de poule et d'œuf. La production n'arrivera que s'il y a aussi des usages. Donc voilà, ça peut être un des usages sur lesquels on travaille. Mais je reviens à ma première réponse, qui, elle, ne renvoie pas à des essais, c'est les biocarburants, et notamment de deuxième génération. Peut-être juste en complément par rapport à ce qui vient d'être dit par Pierre-Franck Chevet, pour dire que, d'un point de vue ressources, les technologies donc moteur thermique ou les technologies piles à combustible sont des technologies qui sont beaucoup moins demandeuses donc de ressources minérales et surtout sur lesquelles on a une autonomie qui est plus grande. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que sur le véhicule électrique, aujourd'hui,
La quasi-totalité du marché est dominée par les producteurs chinois. Alors, pas forcément au niveau de la mine, hein, de la matière première, mais au niveau de, notamment des électrodes qu'on a dans les batteries. Et donc, la bascule vers le véhicule électrique aussi, tant qu'on n'a pas réussi à faire émerger une industrie européenne, c'est la bascule vers, je dirais, la dépendance aux producteurs chinois, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions en termes de souveraineté, évidemment. Très bien. Monsieur le rapporteur. Pardon. Merci, monsieur le président. Merci. Messieurs, mesdames, pour la richesse à la fois de vos explications aujourd'hui et des documents que vous nous avez transmis. Et d'ailleurs, de ce point de vue, nous serons très intéressés par avoir le détail d'un certain nombre de propos que vous avez tenus, puisque ça nous permettra d'enrichir, et notamment les justifications. Vous avez parlé d'un goulot d'étranglement en 2035 pour le cuivre. Vous avez parlé d'une extraction comparable. Vous venez de parler de comparaison en disant de niveau de CO2 analogue en ce qui concerne l'hydrogène, en ce qui concerne d'autres métaux. Nous avons besoin pour les travaux de la Commission d'avoir des chiffres extrêmement précis, et donc on sera très reconnaissant de les transmettre a posteriori. La première question que j'ai, elle est à la fois pour l'IPEN et pour le BRGM. Une question en fait qui m'interroge, quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit dans les deux organismes. Je ne comprends pas comment vous pouvez mettre sur le même plan la dépendance au pétrole et la dépendance aux minerais en fait. Parce que sauf erreur, on a dans un cas de figure une dépendance en flux. Chaque fois qu'on veut faire le plein de notre voiture, on a besoin de pétrole. Chaque fois qu'une usine doit tourner pour fabriquer quelque chose, elle a besoin de pétrole et donc d'énergie fossile, et donc elle émet des émissions et gaz à effet de serre. Et dans l'autre cas, il s'agit bien d'un stock. Et donc c'est bien un investissement initial avec un entretien et un besoin de changement des matériaux relativement faible. Donc je comprends l'idée d'un goulet d'étranglement initial. Je comprends le potentiel ralentissement dans l'investissement dans ces nouvelles technologies. Mais je ne suis pas sûr de comprendre comment, premièrement, vous pouvez mettre les deux sur le même plan, et deuxièmement, ce qui vous permet du coup de dire que nous ne serons pas en mesure d'avoir en 2035 ou en 2050 les objectifs que nous nous fixons. Alors, sur la partie, effectivement, comparaison entre pétrole, gaz d'un côté et ressources métalliques, ressources minérales de l'autre. Donc vous avez raison sur le fait que les ressources minérales, on les brûle pas entre guillemets, elles servent bien à construire nos différents soit objets de production électrique, hein, de l'éolienne aux panneaux photovoltaïques, ou moyens d'usage, hein, comme la voiture. Et donc on est bien d'accord, c'est un investissement initial pour créer une infrastructure, pour créer un parc. Et en théorie, une fois que cette infrastructure et ce parc est là, on pourrait dire qu'on est tranquille. Par rapport à ça, je voudrais faire quand même deux commentaires. Le premier pour dire que ce parc, cette infrastructure, il faudra la renouveler. Évidemment, je l'ai appelé de mes voeux, il faut qu'on développe et déploie le recyclage autant que possible. Ce recyclage, néanmoins, il n'est jamais parfait. On a toujours des pertes, hein, donc on aura toujours des besoins, je dirais, qui perdureront, même s'ils sont plus faibles que pendant la période d'investissement, on est d'accord. Concernant votre deuxième question sur la difficulté d'avoir la ressource disponible à l'horizon 2035 ou 2050, je n'ai fait que rapporter les propos de l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport de mai 2021, où elle montre typiquement que sur le cuivre, on va avoir probablement une grande difficulté à répondre à la demande à compter des années 2027-2028 de mémoire, mais on vous fournira les chiffres précis. Et ça, en fait, c'est lié à une chose que j'ai mentionnée, c'est qu'entre le moment où vous décidez de lancer une mine et le moment où elle ouvre, il s'écoule très longtemps. Et à l'échelle mondiale, il s'écoule en moyenne 17 ans, si je mets de côté le cas spécifique du lithium dans les lacs salés. Donc, en gros, ça veut dire que les mines qu'on va ouvrir en 2039, on les décide aujourd'hui. Et donc, quelque part, l'histoire de ce qui va se passer entre maintenant et 2039, encore une fois, je parle en chiffres moyens, elle est déjà à peu près écrite. Et il se trouve que malheureusement, ces dernières années, il y a eu quand même un sous-investissement dans l'industrie minière plutôt qu'un surinvestissement. Et que d'autre part, les besoins, encore une fois, toujours sur le cuivre, sont colossaux. On dit aujourd'hui qu'il faudrait ouvrir... d'ici les années 2030, l'équivalent de 80 mines aussi grandes que les plus grandes mines de cuivre qu'on a en Amérique du Sud. C'est colossal. Et on ne les a pas aujourd'hui dans les portefeuilles des mineurs. Donc c'est ça qui nous permet de dire, en tout cas de permettre de dire aux experts comme l'Agence internationale de l'énergie, qu'on va avoir un problème d'adéquation offre-demande. Merci. Je rebondis donc sur le premier point que vous avez soulevé. Et je pense que la réponse sera probablement fournie par... aux deux organismes, parce que c'est effectivement un point central. Si on prend le cas de l'éolien, on pourrait prendre le cas du photovoltaïque pour reprendre la logique que vous dites de l'investissement initial et donc l'apport en matériaux, et enfin en minerais, et puis ensuite la capacité à renouveler, donc ou par recyclage ou par nouvelle importation. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un pas de temps? C'est-à-dire si aujourd'hui
je suis une société qui fait l'acquisition d'une éolienne. Quelle est, avec les puissances actuelles, quelle est la durée de vie de l'éolienne du point de vue des minerais? Quelle serait dans 10 ans ma capacité, ma proportion de minerais que je pourrais recycler et réutiliser, etc., etc. Alors, pour comprendre, en fait, si, même en ordre de grandeur, je comprends bien qu'on n'ait pas la réponse, mais pour comprendre si ce besoin de renouvellement et d'entretien est majeur en proportion ou s'il est très mineur dès lors qu'on a le minerai initial, et au vu aussi de l'évolution probable des technologies en matière de recyclage. Alors, d'abord, au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous répondre très précisément à la question que vous venez de poser parce que je n'ai pas les chiffres en tête. On pourra essayer de faire les évaluations et de vous les fournir a posteriori. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'éolienne aujourd'hui, je crois que les durées de vie ont dû augmenter. On doit être sur 25-30 ans, mais on ne va pas plus loin que ça. Et d'autre part, le déploiement tel qu'on l'envisage aujourd'hui du parc éolien, du parc photovoltaïque, enfin de tous les moyens de production ENR, finalement, il est peu ou prou sur la même durée. C'est-à-dire que le temps qu'on finisse de déployer notre trajectoire de décarbonation de nos moyens électriques, on sera déjà dans le renouvellement des premières générations. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de continuum quand même, même si, encore une fois, le recyclage des objets en fin de vie ou des éoliennes qui s'arrêtent devrait permettre de pourvoir une partie de la demande pour peu qu'on sache créer cette industrie en France. C'est les ordres de grandeur que j'avais, effectivement, plutôt de l'ordre de 25. Donc, effectivement, on peut dire que c'est du stock. Mais c'est un stock qui va tourner quand même assez rapidement. Puis par ailleurs, il n'y a pas que les éoliennes. Dans la vie, tu as cité les voitures aussi, qui ont une durée de vie. Donc, qui ont une durée de vie qui n'est pas infinie non plus. Je citais la durée moyenne des parcs. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera pour l'électrique à l'usage, mais c'est typiquement de l'ordre de 20 ans, 20, 25. On retombe sur des... Et donc, c'est... Certes, ce n'est pas le même flux que hydrocarbures, je partage entièrement, évidemment, là on est en temps réel, mais quand même, on va avoir des boucles qui vont devoir se refermer, et voilà, ça, donc on a quand même un sujet. Oui, absolument. Pardonnez-moi, j'insiste sur le point qui est de savoir aujourd'hui, quand une éolienne est en fin de vie, ou quand elle sera dans 10 ans, quelle est la proportion de minerais qu'on peut réutiliser et quelle est la proportion qu'il faut impérativement recycler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas aujourd'hui répondre à la question de savoir si en fait, à la fin de vie d'une éolienne, il faut recycler l'intégralité, à recourir à du minerai recyclé ou pas du tout. La réponse à votre question, c'est que oui, idéalement, il faut qu'on réussisse à recycler l'intégralité. Mais néanmoins, la réponse, c'est aussi qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire totalement. C'est-à-dire qu'on va avoir les grosses pièces d'aimants permanents qui contiennent des terres rares, sur lesquelles aujourd'hui, il y a des initiatives en France pour faire émerger une industrie du recyclage, mais elle n'est pas encore, opérationnelle, en tout cas à la hauteur de ce dont on a besoin. On va avoir beaucoup de pièces d'électronique, de conduction électrique en cuivre, etc. J'imagine qu'on les recycle, mais pour le coup, ça serait à vérifier. Et puis après, toute l'infrastructure, la nacelle et les pales, à ma connaissance, on ne les recycle pas. Mais là, on est sur d'autres ressources. On est plutôt sur des fibres de verre, etc. Mais elles sont enfouies, à ma connaissance, à ce stade. Merci. Deux dernières questions pour laisser, sauf si vous vouliez ajouter, monsieur. Non, moi aussi, j'ai un peu de problème. Non, je voulais dire, effectivement, pour compléter les propos de Christophe, techniquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur le recyclage des aimants permanents, et notamment ceux qui sont embarqués dans les éoliennes. Globalement, à démanteler, c'est relativement simple. L'aimant est suffisamment gros pour le récupérer. Pour autant, il y a effectivement l'ensemble de l'infrastructure. Et je crois que Christophe en a parlé, il faut quand même intégrer l'idée que ce recyclage, d'abord, il ne va pas être efficace à 100%. Ensuite, il va lui-même embarquer des conséquences. C'est une activité industrielle. Donc, il va lui-même embarquer des impacts qu'il va falloir gérer. Il va falloir créer des filières de recyclage. Donc, une fois de plus, sur le papier, les chimistes, les minéralurgistes sont capables quasiment de tout recycler. Après, on est capable de le faire techniquement et scientifiquement, on est capable de le faire. Après, il va falloir mesurer effectivement à long terme l'énergie qu'il faut mettre. Enfin, Christophe a insisté sur la diversité des objets. Plus l'objet va être complexe, soyons clairs, plus il va être difficile à recycler. Quelque part, il y a aussi des travaux sur la recyclabilité des moteurs électriques.
et des batteries aussi là, qui ont commencé. Mais sur les moteurs électriques, parce que quand on parle d'une éolienne, c'est jamais qu'un moteur électrique à l'envers. Hein. Enfin, si je caricature. Donc, on est d'accord. Hein. Techniquement, c'est à peu près ça. Donc, la problématique récupération des pièces d'un moteur électrique, c'est un point qui est étudié. Comment on récupère notamment les aimants dans les meilleures conditions, etc., qui est quand même ce qui a le plus riche contenu, on va dire. Donc, ces travaux sont assez largement en cours. Je vous remercie, une touche d'optimisme. Donc, deux dernières questions, une peut-être plutôt pour l'IPEN et une autre pour le BRGM. Est-ce que vous êtes capable de quantifier le potentiel de biocarburant, tout simplement, en question? Et pour vous, pour le BRGM, vous décrivez un abandon assez en race campagne des politiques publiques en matière minière à partir des années 1990, à la fois après l'inventaire des années 70, plus de reprises et de projets de nouvel inventaire d'une part, y compris quand on a commencé à comprendre à la fin des années 1990 ou peut-être même avant qu'on avait besoin de métaux rares et qu'on en avait potentiellement en Europe. Et vous décrivez aussi jusqu'à 2022 le rapport de M. Varin, l'observatoire que vous appelez de vos voeux qui va être créé, une sorte d'abandon de la question de la souveraineté minérale, de la capacité à anticiper, la sécurité d'approvisionnement, etc. Est-ce que vous êtes capable de retracer depuis les années 90 ce qui s'est produit et à votre goût ce qui s'est passé et quelles causes sont à votre avis à l'origine? Si vous le permettez, je compléterai en disant en métropole et en outre-mer. Alors pour la première question, il y a sur un des slides d'ailleurs, ça apparaît, l'estimation que nous faisons au périmètre France. Je pense que ça inclut je ne sais pas, il faut peut-être vérifier si c'est France ou France Métro et France et Domcom. Mais globalement, c'est 33%. Là où on est à 7% d'incorporation dans les moteurs, dans les réservoirs, de moteurs de tout type, on peut imaginer d'aller jusqu'à 33%. Non, pas du tout. Pardon, c'est la slide. Pardon, je regarde celle du BRGM, du coup, ça ne va pas le faire. Enfin, si, ça le fait, mais ça ne fait pas. C'est la slide numéro 6. C'est économie de ressources fossiles disponibles, possible. On peut aller jusqu'à 33% à peu près. C'est des chiffres d'ailleurs il y a eu une étude similaire qui a été faite par les Britanniques, à l'Imperial College. Mais pardon, c'est 33% d'incorporation de la consommation actuelle, oui, de carburant fossile. Oui. D'accord. Alors, ou d'incorporation, c'est-à-dire que dans les voitures actuelles, quand vous prenez du E5 ou du E10 ou du E95, ça, c'est des biocarburants avec différentes teneurs en termes de mélange. 5, c'est 5% en gros. 10, c'est 10%, et 95, c'est 95%. Ça vous donne une idée du pourcentage de biocarburant dans votre plein. Et là où on est en moyenne sur les moteurs thermiques, tout type de transport à 7%, en gros, on peut aller jusqu'à 33%. On peut faire pratiquement x6, imaginez, ou au moins un x5, à peu près. Donc, il y a quand même des choses, il y a des éléments de solution, y compris pour le parc existant, je le répète, par rapport à ma remarque tout à l'heure sur la question du parc existant de véhicules, d'automobiles, pardon. Et encore une fois, c'est plutôt confirmé par une approche, je crois que l'Imperial College a fait l'étude au périmètre Europe, je pense, de mémoire. Il confirme aussi ces ordres de grandeur-là. Bon. Donc, pour répondre à votre question sur la politique minière française, donc... effectivement, on a vécu au BRGM une baisse très significative de l'activité dans ce domaine, qui est sûrement, je dirais, liée à de multiples causes, mais peut-être que ce que je voudrais mettre en avant, parce qu'elle me paraît assez structurante, ça a été petit 1, je dirais, la désindustrialisation progressive quand même de notre pays, et donc le fait qu'on n'avait plus d'industrie qui avait besoin de ressources minérales, parce qu'on achetait direct, finalement, l'objet fabriqué dans un pays tiers. Voilà, on s'était décalé dans les chaînes de valeur. Et voilà, vous savez que là, on s'était repositionné beaucoup plus sur des activités tertiaires. Et on s'était basé à cette époque-là, donc, sur la logique d'une mondialisation qui fait que, dans un monde ouvert, on peut contractuellement toujours sécuriser des approvisionnements.
Alors, ce faisant, cette transformation assez profonde hein, qu'on a vécue, je dirais, dans tous les secteurs industriels français, elle était aussi liée au fait que l'industrie de première transformation est une industrie qui donc, a un impact environnemental ou qui peut avoir un impact environnemental et qu'on avait effectivement... qui dit impact environnemental dit que si on veut s'en prémunir, c'est un surcoût par rapport à des pays qui n'avaient pas cette préoccupation-là et qui donc faisaient du dumping quelque part sur les produits. Donc on a vu des industries partir progressivement et on en a un très bon exemple qui est cité dans de multiples ouvrages, hein, c'est la transformation et la purification des terres rares. 60% du marché mondial des terres rares était à La Rochelle dans les années 80, dans une usine à l'époque de Rhône-Poulenc. Aujourd'hui, c'est 0%. Aujourd'hui, c'est 99% en Chine. Parce que, voilà, à cette époque-là, c'était compliqué de maintenir cette activité dans une zone citadine et on a préféré finalement transférer ça en Chine. Et puis, ben, les Chinois ont remonté la chaîne de valeur, ont acquis une certaine indépendance et aujourd'hui, on dépend intégralement de ce marché. Juste pour finir sur ce sujet, pour dire qu'effectivement, nous, on l'a vécu de plein fouet, cette transformation. Dans les années 90, il devait y avoir à peu près 300 personnes qui travaillaient sur la question des ressources minérales au BRGM. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 50-60 et encore en prenant vraiment dans une acception très large, j'allais dire, du sujet. Et ces effectifs-là, aujourd'hui, on a réussi à les maintenir parce qu'on a eu des projets à l'international. On a été impliqué dans des contrats européens qui ont permis de développer des procédés pour le recyclage, pour développer une mine plus propre, etc. Donc c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, effectivement, de maintenir ce noyau d'activité, ou de compétences, pardon, plutôt, qui nous permet aujourd'hui de rebondir et de répondre présent par rapport aux besoins qui sont largement exprimés par la collectivité. Juste avant, Monsieur Chevet, de vous laisser la parole, sur l'outre-mer. Alors, sur l'outre-mer, effectivement, la situation est un peu différente. Donc, on a le cas singulier de la Nouvelle-Calédonie. Hein, vous savez qu'on a, il y a beaucoup de ressources, non seulement en nickel, qui est aujourd'hui exploité, mais en fait, il faut bien avoir conscience que le nickel, il n'est jamais seul dans le sous-sol. Donc, il embarque toujours, mais comme tous les éléments, hein, c'est pas spécifique à lui, mais d'autres ressources, sans doute du cobalt, etc. Donc, il y a un potentiel important en Nouvelle-Calédonie hein, qui a continué à être exploité, à se développer, mais sur lequel aujourd'hui, vous savez que, en tout cas dans l'équilibre politique actuel, hein, c'est du ressort de la politique du territoire. Et puis après, il y a le cas de la Guyane, hein, sur lequel c'est un territoire qui est sans doute particulièrement riche, sur lequel, là aussi, on a une connaissance qui reste assez parcellaire. Bon, on connaît tous l'or guyanais qui est présent relativement en surface hein, et l'orpaillage illégal qui se développe. Mais sans doute qu'au-delà de ces ressources aurifères, hein, on a beaucoup de ressources qui sont également disponibles avec une question évidemment complexe et importante de savoir est-ce qu'on saurait, le cas échéant, exploiter tout en respectant la biodiversité et l'environnement de ces régions particulièrement fragiles. Merci. On va passer au... Ah, Monsieur Chevet, rapidement. Non, c'était juste un rebond sur la désindustrialisation que Christophe vient d'évoquer. Moi, j'ai un chiffre en tête, parce que tu parlais des potentielles contraintes environnementales moins fortes ailleurs, etc. Donc, bon, mais en même temps, on avait du coup moins de contraintes environnementales. Mais sur la désindustrialisation, j'ai souvenir d'un rapport qui faisait le bilan d'une trentaine d'années de désindustrialisation. Alors qu'il y avait comme premier constat à l'échelle de la France qu'on avait moins émis de CO2. Très bien. Bah oui, ça me paraît assez logique. Simplement, quand on fait le bilan des matières qu'on a importées, parce qu'on les a exportées, on avait augmenté nos émissions induites dans notre consommation à 6 millions d'euros, 6 millions de tonnes. Donc le bilan global, ça ne doit pas être 10 millions d'ailleurs, ça j'imagine peut-être un peu plus. Mais les ordres de grandeur sont là. C'est-à-dire que là, on a exporté quelque part une sorte de pollution. Mais finalement, pour un gain environnemental qui pèse sur nous à nouveau, alors qu'on aurait gardé ces mêmes industries, on aurait pu avoir un bilan CO2 mieux maîtrisé que ce qu'on a fait finalement. Donc il faut avoir ça en tête, ce qui vaut comme raisonnement potentiellement sur des problèmes d'environnement classiques, plutôt locaux, à impact locaux, n'a pas du tout la même signification quand on commence à raisonner sur un polluant global qui est le CO2 ou les gaz à effet de serre. Voilà. Et vous aviez en son temps, monsieur le président directeur, accompagné dans vos précédentes responsabilités la fermeture d'une exploitation minière en France.
Accompagné, non, malheureusement, ce n'était pas voulu. Hein, c'était juste un accident. On va passer aux questions des groupes politiques. Je précise juste à ce stade que j'ai bien en tête qu'il y a un scrutin solennel en séance. On suspendra pendant un petit quart d'heure le temps qu'on puisse aller voter au bon moment. Et puis, on reprendra les débats ensuite. Donc, je surveille le déroulement de la séance. Voilà. Alors, le groupe Renaissance... Marjolaine. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs, mesdames. Ma question, elle porterait sur le sujet de la géothermie. En réfléchissant sur les sujets d'une certaine façon de perte d'une forme de souveraineté, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose en traînant autant sur les sujets de géothermie? Aujourd'hui, on retrouve de l'intérêt sur le sujet de la géothermie. Ce matin, on avait France Géoénergie qui était lancée sur le sujet. On voit bien, d'ailleurs, comparativement, quand on voit d'autres pays européens, les choix qu'ils ont faits sur les ENR thermiques et notamment sur la géothermie, comment ça les a protégés, finalement, des aléas géopolitiques, d'un certain nombre de dépendances. Est-ce qu'on a suffisamment exploité ce sujet-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour vraiment changer de rythme sur le sujet de la géothermie? Je vous propose, juste avant de répondre, je vous propose de prendre trois questions à la suite et puis je veillerai à ce que vous répondiez bien à chacune des trois questions. Le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Directeur Général du Bureau de Recherche Géologique et Minière. Pour tendre vers l'indépendance énergétique de la France, et c'est vraiment l'objet de notre commission d'enquête, je crois qu'on doit étudier un maximum de pistes et mobiliser l'ensemble des ressources dont dispose notre pays. Et ça a vraiment fait l'objet de votre exposé, et je tiens à vous en remercier. Je crois que dans un contexte de dépendance énergétique qui implique bien évidemment d'importants risques sur la sécurité d'approvisionnement du pays, un contexte également d'explosion des prix de l'énergie, d'inflation des prix des ressources importées et de déficit record de notre balance commerciale, qui en plus ne pourra que s'aggraver au regard des importations à venir du gaz de schiste américain. Je veux vous interroger sur le gaz de couche dont nous disposons sur le territoire national et notamment en Lorraine. En Moselle-Est, grâce aux forages exploratoires et aux essais d'extraction, près de 2,1 milliards de mètres cubes sont déjà certifiés. Et selon les études du groupe de la Française de l'énergie, la production annuelle pourrait atteindre 1,5 milliard de mètres cubes, ce qui correspondrait à un peu moins de 4% de la consommation nationale annuelle de gaz. Et ce, sans fracturation hydraulique, bien évidemment, et donc sans impact nocif, en tout cas majeur, sur l'environnement. Malgré les enjeux majeurs de souveraineté énergétique et de création d'emplois dans le bassin houiller que cette exploitation pourrait représenter, l'État n'a malheureusement donné à ce jour aucune autorisation d'exploitation, alors même que la réponse était attendue depuis plusieurs mois. Donc j'aimerais, monsieur le directeur, vous interroger sur deux éléments. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des démarches de la part de votre bureau pour estimer ces réserves de gaz en Moselle comme partout sur le territoire national? Et par ailleurs, quel est votre point de vue concernant la possible exploitation de ces ressources que nous avons dans notre sous-sol? Je vous remercie. Voilà, et pour cette première série de questions, le groupe La France Insoumise. Est-ce que c'est éventuellement possible d'en poser plusieurs? Merci, c'est gentil. Donc une plutôt sur... Oui, non, pas un quart d'heure. Une plutôt sur les enjeux de sobriété, enfin d'offres et de demandes. Donc vous l'avez dit, c'est assez clair, nous avons besoin de beaucoup, beaucoup plus de métaux pour produire davantage d'énergie verte à l'avenir. Or, il faut également de l'énergie pour extraire davantage de métaux. Et plus on ira chercher loin les métaux, plus ça va nous coûter de l'énergie, qu'elle soit nucléaire, fossile ou énergie renouvelable. Donc ma question est simple. Il y a certaines personnes, certains chercheurs parlent d'un cul-de-sac énergétique qui se profile, c'est-à-dire que le retour sur investissement de l'énergie que l'on utilise pour extraire de la nouvelle énergie, que ce soit directement du pétrole ou des métaux qui vont servir à fabriquer des centrales ou des énergies renouvelables, est en train de diminuer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez le même constat? Et croyez-vous que ce rapport pourrait carrément s'inverser à terme au point d'atteindre un sort de cul-de-sac énergétique? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant le recyclage dont vous avez parlé. Moi, je suis ces questions-là depuis au moins 2017.
Je suis frappée que l'on n'ait toujours pas au niveau national d'objectifs de recyclage par métaux critiques. Ça nous a toujours été refusé par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déchets électriques et électroniques, on les broie. On en retire quelques métaux qui ont le plus de valeur, mais le reste n'est pas aujourd'hui conservé et recyclé. Est-ce que vous pensez que des objectifs par métaux critiques permettraient de débloquer la situation ? Et enfin, sur la question minière, est-ce que vous avez dit qu'il fallait refaire des évaluations sur notre sous-sol ? Est-ce que vous avez déjà un peu des estimations sur le nombre de métaux critiques que l'on pourrait produire et en quelle quantité en France et quel degré d'indépendance on obtiendrait en plus par rapport à la transition ? Et de la même manière, sur la question de l'encadrement, en fait, on avait aussi eu des discussions avec le gouvernement où on refusait de flécher les métaux produits, par exemple en France, sur des filières stratégiques comme la production d'énergie renouvelable, par exemple, ou la défense éventuellement. Sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est montré dans votre présentation, la transition numérique consomme elle aussi beaucoup de métaux. Les climatiseurs, par exemple, sont les plus gros consommateurs de néodyme dans le monde, mais on n'en parle pas souvent. Est-ce que, vu la tension sur la ressource, il ne va pas falloir avoir un rôle beaucoup plus fort de l'État sur l'usage des métaux et flécher ces métaux vers des usages prioritaires, et notamment l'énergie ? Merci. Voilà, donc, cette série de, du coup, 6 questions. Alors, sur la géothermie, pour commencer, si je vais reprendre dans l'ordre. Donc, effectivement, je crois que on a un enjeu extrêmement fort sur la géothermie dans notre pays. Alors, je tiens à préciser qu'on a différents types de géothermie. On a de la géothermie, on va dire, très profonde, très haute température, qui fait qu'on pompe de l'eau suffisamment chaude pour pouvoir alimenter une turbine et donc fabriquer de l'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle la géothermie électrogène, qui est notamment extrêmement utile dans certains de nos territoires d'outre-mer. On a une deuxième type de géothermie qui consiste à effectivement aller pomper de l'eau un peu moins profond, un peu moins chaud. Mais enfin, on parle quand même sans doute aller d'un millier de mètres. On la pompe d'un côté, on la réinjecte de l'autre. Et donc, grâce à cette énergie qu'on récupère, on peut alimenter des réseaux de chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé. Il faut savoir que dans le bassin parisien, on doit avoir à peu près pas loin de 500 000 ou 600 000 logements qui sont alimentés par ce biais, ce qui en fait quand même quelque part le plus grand pôle géothermique en termes de chauffage urbain mondial. Donc, mais néanmoins, on a encore des potentiels de développement importants, je vais y revenir dans un instant. Puis on a une troisième géothermie qui est plus de la géothermie de très proche surface, si vous voulez, dans lequel vous faites un échangeur donc de chaleur que vous allez... Alors vous pouvez le faire à l'horizontale dans votre jardin, vous pouvez descendre en vertical sur quelques dizaines jusqu'à maximum une centaine de mètres. Et ça, c'est quelque chose qui peut se déployer finalement quasiment un peu partout. On estime aujourd'hui que ça serait déployable sur 90% du territoire. Alors, si je reprends ces trois géothermies rapidement. Donc la première, c'est la géothermie électrogène. Très clairement, ça n'a de sens que dans des régions où on a des anomalies thermiques profondes qui font qu'on a vraiment de l'eau chaude accessible. Et donc en gros, en France, ça va être beaucoup le fossé rhénan ou les territoires d'outre-mer volcaniques. Et donc, vous savez qu'il y a notamment, on a la fameuse centrale de Bouillante qui alimente la Martinique depuis de longues dates et qui fonctionne très bien. Ça, c'est le premier point. Et donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui va, je dirais, qu'on peut déployer partout et qui peut considérablement changer le paysage énergétique français. Deuxième point sur les doublées, on va dire celles de moyenne profondeur, moyenne température. Là, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, notamment parce qu'on est un pays où il y a beaucoup de réseaux de chaleur qui existent. On en a pas loin entre 800 et 900 aujourd'hui qui sont à l'échelle de quartier. Ça représente un nombre conséquent de logements. Et seule une petite partie fonctionne en géothermie. Les autres, c'est beaucoup souvent avec du gaz. Et donc, on pourrait assez facilement les transformer en géothermie. Ça peut être quelque chose qui est effectivement assez intéressant et qui peut permettre de décarboner rapidement cette production de chauffage tertiaire urbain. Dernier point sur la géothermie de très basse surface. Donc ça, c'est déployable, comme je vous le disais, globalement sur 90% du territoire. Ça pourrait être assez rapide. Alors, pourquoi est-ce que ça freine aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je ne vous cache pas que... on fait la promotion assez largement, tout comme nos collègues de l'IFPEN, de ces technologies, parce qu'on pense que c'est un moyen de réduire significativement et rapidement nos dépendances au gaz pour tout ce qui est chauffage. Après, il faut avoir conscience qu'il va falloir faire émerger une filière industrielle, et en particulier sur les foreurs, qui sont sans doute aujourd'hui un métier finalement en tension, si on veut déployer ces technologies-là. On n'a pas tant que ça d'industrie, de sociétés qui sont capables de faire du forage et d'experts qui sont capables de piloter un forage. Et ça ne se fait pas n'importe comment, parce que si jamais vous amusez à par exemple, faire...
mettre en liaison des nappes phréatiques qui étaient séparées les unes des autres, vous pouvez avoir des problèmes assez significatifs comme on a pu le rencontrer en Alsace. Donc c'est pas un métier, c'est un métier qui nécessite de l'expertise et qu'il faut vraiment qu'on développe si on veut déployer cette géothermie. Sur la même question, juste un commentaire, je partage ce que tu as dit. Sur la deuxième solution que tu évoquais, les doublés, donc qui alimentent plutôt des quartiers ou des gros quartiers, où un des intérêts, c'est aussi, dès lors qu'il y a le réseau, c'est le réseau, une fois qu'il y a un réseau quelque part, on est relativement libre des choix qu'on fait en termes d'énergie qu'on met dans le réseau. Alors, c'est bien si c'est la géothermie, bah, parfois il peut y avoir des soucis, mais on a aussi quelque part une forme de sécurité, parce que le réseau potentiellement est flexible et peut se pluguer sur plusieurs sources suivant les circonstances du moment. Ça peut être un élément d'arbitrage et quelque part un élément de sécurité d'approvisionnement, d'avoir un réseau connectable. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire. La géothermie présente évidemment beaucoup de vertus, mais on peut avoir aussi des cas où il y a des problèmes. Et du coup, le réseau, c'est finalement, une fois qu'on l'a installé, évidemment, le réseau se prête bien dans les zones à quand même une certaine densité, sinon ça revient très très cher, ces grands réseaux collectifs. Mais une fois qu'il est là, c'est un vrai atout énergétique, globalement. Alors peut-être que je voudrais rajouter trois points sur ce sujet pour dire que donc on a des zones où ces horizons, on va aller chercher l'eau à moyenne température, sont bien connus. Hein, c'est grosso modo, on va dire, l'Île-de-France au sens large du terme. C'est là où on a cette grande zone déjà géothermique. Et aujourd'hui, on pense qu'on a un intérêt à aller faire de la caractérisation de ces couches donc aux alentours de 1000 mètres de profondeur dans d'autres régions françaises de manière à déployer ce type de technologie. Je pense au bassin aquitain, par exemple, où on a des grandes agglomérations. Donc ça fait partie des propositions qu'on fait. Le deuxième point, c'est que savoir qu'à partir du moment où vous avez fait un trou dans le sous-sol, vous pouvez vous en servir pour tout un tas de choses. Et donc, on commence à réfléchir de plus en plus à ce qu'on appelle l'hybridation des solutions. C'est-à-dire, quitte à ce que vous pompiez de l'eau dans le sous-sol, il y a des endroits où cette eau, elle va contenir du lithium. Donc, ça peut être intéressant de mettre, en gros, un filtre, si vous voulez. Bon, c'est pas la technologie du filtre, mais c'est pour simplifier, qui va permettre de récupérer le lithium tout en continuant à faire tourner votre géothermie. Donc ça, typiquement, il y a des projets qui sont à l'étude aujourd'hui, hein, avec des sociétés qui les portent dans le fossé rhénan. Et puis, quitte à réinjecter de l'eau, peut-être qu'on peut mettre autre chose que l'eau qu'on avait pompée au départ. Et on peut peut-être la saturer en CO2, c'est-à-dire réinjecter finalement du Perrier et non pas de l'eau naturelle. Parce que comme ça, vous allez faire du stockage de CO2. On en a parlé tout à l'heure. Et voilà. Et cette idée d'hybrider les solutions et de faire d'une pierre plusieurs coups, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit chercher à développer à l'échelle nationale. La question suivante était sur les gaz de couche. Alors, les gaz de couche, effectivement, donc les gaz présents dans les couches de charbon, notamment dans tout le bassin houiller français. Donc, petit 1, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a un rôle particulier sur ce sujet-là, puisqu'on assure pour le compte de l'État français le suivi et la gestion des anciens sites miniers, en maîtrise d'ouvrage délégué. Et donc, on a tout un département du BRGM qui est effectivement spécialisé sur le suivi de ces sites en termes de travaux de sécurité, de surveillance, d'installation, etc. Je confirme qu'effectivement, il y a bien du gaz qui se dégaze, c'est le cas de le dire, progressivement dans un certain nombre de ces sites. Et donc, des projets aujourd'hui qui sont menés, vous avez cité la Française de l'énergie, pour essayer de valoriser cette ressource-là. Alors, nous n'avons pas mené à ce jour, à ma connaissance, de travaux d'évaluation de la quantité que ça pourrait représenter et donc du potentiel de développement. Mais c'est quelque chose qui, le cas échéant, pourrait être fait. Et effectivement, donc, il y a des demandes de permis qui sont en cours. Je n'ai pas non plus, comme vous le mentionniez, de retour à ce jour. J'imagine qu'ils sont en cours d'instruction par les autorités compétentes. C'est clairement une piste qui mérite d'être étudiée, je dirais, comme ressource complémentaire, en ayant conscience que c'est pas ça qui... Enfin, les quantités disponibles ne sont pas du même ordre de grandeur que les approvisionnements extérieurs, étrangers qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc, c'est plutôt des sources complémentaires marginales qui peuvent être intéressantes de valoriser, mais qui ne vont pas changer, je dirais, l'équation globale du mix énergétique français. Alors, je continue sur le cul-de-sac énergétique. Donc, il est tout à fait vrai que les métaux qu'on extrait du sous-sol aujourd'hui sont beaucoup moins concentrés. Enfin, les minerais sont beaucoup moins concentrés en métaux d'intérêt qu'ils ne l'étaient évidemment par le passé. Et donc, ça veut dire que
de manière, je dirais, au premier ordre de grandeur, hein, ça nécessite une énergie plus importante, même si, vous le devinez, il y a des programmes de recherche et développement qui visent à améliorer les procédés et qui permettent de compenser pour partie cette augmentation. Donc il est sûr que l'énergie consommée pour aller chercher un kilo de cuivre aujourd'hui est plus importante qu'il y a 20 ans et sans doute elle sera dans 20 ans encore plus importante qu'aujourd'hui. Est-ce que pour autant on va vers un cul-de-sac énergétique ? Je ne le crois pas parce qu'on a d'autres sources d'énergie en parallèle sur lesquelles on a des ressources qui sont importantes. Hein. Je pense évidemment aux renouvelables sur lesquelles quelque part l'actionneur, hein, donc que ce soit le vent ou le soleil, est sans limite, hein, mais même s'il faut déployer l'infrastructure. Et puis je pense évidemment au nucléaire, sur lequel on a des ressources d'uranium qui sont là aussi extrêmement conséquentes, en particulier si on déployait les réacteurs dits de quatrième génération qui utilisent beaucoup mieux la ressource naturelle. Néanmoins, c'est clair que on pourra pas, je dirais, à un moment on arrivera sans doute à une quantité d'énergie nécessaire pour sortir un kilo, encore une fois je prends le cuivre, mais on peut en prendre un autre, qui sera probablement suffisamment importante pour qu'on se pose sérieusement la question, mais je ne doute pas que d'ici là on aura trouvé d'autres solutions, et en particulier le recyclage. Voilà sur cet aspect, et dernier sujet peut-être sur l'aspect recyclage, pour dire que les objectifs de recyclage sont effectivement quelque chose qui est important. Vous savez sans doute que dans le cadre du développement de la mobilité électrique, il y a donc une réflexion à l'échelle européenne pour que dans les batteries des véhicules électriques européens, on ait une part de matériaux recyclés minimum qui soit imposée et qui soit croissante au fil du temps. Donc je pense que ça va dans le sens de ce qui était mentionné par Madame la députée dans sa question. Néanmoins, je pense que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conscient que les batteries chinoises peuvent, elles aussi, inclure une partie de matière recyclée. Sans doute, je dirais, peut-être même plus facilement que nous, on est capable de le faire. Donc, si on se limite juste à imposer X% de matière recyclée, je crains que ça ne soit pas suffisant. Il faut clairement qu'on ait aussi, sans doute, un passeport carbone et puis une réglementation, on va dire, aux frontières qui garantisse quelque part un marché juste et équilibré entre ce qu'on peut faire localement à l'échelle européenne et ce que peuvent produire nos collègues chinois. Dernier point sur le fléchage des matériaux, ou le fléchage des usages. Alors, vous le mentionnez en fonction des filières stratégiques. J'apporterai un éclairage complémentaire ou peut-être un peu différent à votre propos. C'est-à-dire que on est tous d'accord qu'il faut qu'on aille vers une économie circulaire dans laquelle on recycle les matières. Néanmoins, si quand on recycle les matières, on veut séparer totalement un des éléments chimiques qui était présent dans l'objet, ça va coûter beaucoup d'énergie. En particulier si on veut une purification poussée très loin. Et donc, il faut sans doute qu'on réfléchisse à des usages avec des spécifications décroissantes. C'est-à-dire que là où on a besoin du métal avec le niveau de pureté le plus grand, c'est sans doute là où il faut qu'on l'utilise en premier. Et puis, une fois qu'on l'aura recyclé sur un deuxième usage, il faut sans doute qu'on aille vers un usage où il peut être un peu moins purifié, et ainsi de suite. Et il faut sans doute qu'on imagine comme ça, une organisation des chaînes de valeur. Ce qui, sur le papier, je dirais, est très joli et facile à raconter. Derrière, c'est particulièrement complexe parce qu'on est en train d'effectivement de lier les filières industrielles les unes aux autres. Et donc, je ne doute pas qu'un éventuel déploiement serait particulièrement complexe et prendra du temps. Monsieur Chevet, vous vouliez compléter ? Monsieur Nug, vous voulez rajouter quelque chose ? Je vais peut-être juste rajouter par rapport à ce que disait Christophe, effectivement, par rapport à la question sur les D3E, c'est un bon exemple, je le disais, hein, on est capable de tout recycler, mais Christophe le disait, ça peut coûter. Un des grands secrets sur les D3E, ça va être d'embarquer de plus en plus l'éco-conception, c'est-à-dire d'embarquer dès le début cette idée qu'on va être à un moment ou à un autre obligé de... Et donc ben là, on se trouve face à une véritable question de développement technologique. Comment réussir à embarquer de l'éco-conception et comment faire que on va avoir des développements technologiques qui sont nécessaires, hein, mais qu'il va falloir être ensuite en capacité de gérer pour pouvoir recycler. Donc vraiment, la notion d'éco-conception, et notamment pour tous ces appareils associés au numérique, va être fondamentale. Sinon, ils sont, une fois de plus, on l'a dit, c'est les limites de la thermodynamique. Ils sont tellement complexes que l'énergie nécessaire pour aller les recycler va être contre-productif quelque part. Donc voilà, donc vraiment l'éco-conception, c'est un sujet extrêmement important. Bien, on va reprendre le tour des questions. On va les prendre une à une. Je change un peu le style, mais c'est pour suivre au mieux la séance et maximiser
non pas l'énergie de l'après-midi, mais le temps des parlementaires. Alors pour le groupe LR, du coup, Vincent Descoeur. Oui, en réponse à la forte augmentation de la demande et des besoins en métaux, vous avez évoqué l'obligation d'importer. Vous avez utilisé le terme de diplomatie des ressources minérales. Alors, moi, je souhaiterais savoir qui a la responsabilité d'alimenter en cartographie et en anticipation des besoins, tant en qualité qu'en quantité, le BRGM certainement, d'autres peut-être, qui alimente ces diplomates. Et puis, notre commission s'intéresse beaucoup à la souveraineté de notre pays. Alors, moi, je m'interrogeais à l'échelle à laquelle cette diplomatie doit être mise en place. Est-ce que c'est uniquement l'affaire de la France ou est-ce que c'est la France en Europe, puisqu'on parle pour beaucoup de perspectives de filières européennes. Et puis, compte tenu de notre dépendance à ces métaux et terres rares, peut-on raisonnablement espérer l'émergence d'une filière européenne en matière de batteries et ou de panneaux photovoltaïques, sauf à ce qu'elle passe par le recyclage, comme ça vient d'être évoqué à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe démocrate ? Non, sinon j'aurais pris encore la question. Bon, bah, allez-y, répondez. Oui ? Non, mais on va les prendre. C'est juste que j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse ensuite aller voter en séance. Et que néanmoins, les personnes aient le temps de répondre convenablement, puis on reprendra après. Je réponds, j'arrive. Donc sur la partie diplomatie des ressources minérales, donc effectivement, ça avait été, je dirais, un souhait exprimé dans le cadre du rapport remis par M. Varin. Et donc depuis, je dirais, il y a une action concertée, donc pilotée par la diplomatie française, par le Quai d'Orsay, et qui s'appuie à la fois sur l'expertise technique que peut lui fournir un certain nombre d'organismes, dont le BRGM, et également sur la vision et les besoins des filières industrielles. Puisque, évidemment, le client in fine de tout ça, c'est nos industries qui ont besoin de s'approvisionner. Donc, c'est fait en bonne intelligence avec elles. Alors, j'ouvre ceci dit, du coup, une parenthèse pour mentionner qu'effectivement, au travers des nombreux projets qu'on a pu mener à l'international et puis aussi du fait de notre histoire, puisque finalement le BRGM a, je dirais, accueilli à sa création les services géologiques qu'on avait en Afrique équatoriale, Afrique orientale, etc. On a aujourd'hui une connaissance de la géologie et des ressources minérales dans un certain nombre de pays, en particulier en Afrique, qui est extrêmement importante. Les géologues ont l'habitude de dire, sous forme de boutade, que la moitié de la connaissance géologique de l'Afrique sont dans nos armoires à Orléans, là où est situé notre siège du BRGM. Donc, au-delà de la boutade, tout ça pour dire que voilà, on a des éléments et que on peut alimenter les réflexions françaises et on travaille en bonne intelligence avec les pouvoirs publics et les filières industrielles, parce qu'encore une fois, ça doit se faire avec elles. Sur les questions de souveraineté, donc vous avez tout à fait raison de mentionner que il y a à la fois une action et une réflexion à l'échelle nationale, mais qu'évidemment, il y a, je dirais, le même type de réflexion qui est menée au niveau européen et que tout ça se fait, je dirais, en bonne concertation. Et en particulier, la présidence française de l'Union européenne a été l'occasion, je dirais, d'avoir un travail en symbiose entre le gouvernement français et l'administration à Bruxelles. Donc aujourd'hui, vous le savez, on a à la fois des réflexions et des projets de réglementation qui sont en cours de discussion au niveau européen. Je pense au Raw Material Act, qui doit permettre un peu d'organiser cette filière. Et également, donc, une réflexion sur, là aussi, la diplomatie des ressources minérales, qui cherche à se construire en articulation avec celles qui sont menées par chacun des États, dont la France. Sur le dernier sujet, mais je pense que mon collègue Pierre-Franck Chevet complétera. Donc oui, il y a des efforts conséquents pour essayer de faire émerger des filières européennes sur ces technologies. Je pense en particulier à celle de la batterie. Alors sous réserve que je ne me trompe pas dans mes chiffres, mais je crois que de mémoire, il doit y avoir une trentaine de projets de gigafactory qui sont aujourd'hui dans les cartons à l'échelle européenne, en particulier dans le cadre des financements qui ont été prévus sur l'Airbus des batteries, et qui sont, je vous rappelle, chacune de ces usines sont quand même des usines dont, grosso modo, l'ordre de grandeur du coût d'investissement est du milliard. Donc, c'est des objets tout à fait conséquents et qui doivent permettre d'alimenter le marché européen. Néanmoins,
N'oublions pas que ces batteries, pour ces usines, pardon, pour fonctionner, auront besoin d'électrodes, auront besoin de lithium, etc. Et qu'il faut penser pas uniquement la gigafactory, mais toute la chaîne de valeur en amont qui va permettre de l'alimenter. Et donc c'est pour ça que il avait, dans le rapport Varin, il avait été proposé qu'il y ait des industries de raffinage qui se localisent sur le territoire national pour alimenter les 3 gigafactories prévues en France, et en particulier dans la région de Dunkerque, qui, pour tout un tas de raisons, est particulièrement favorable pour accueillir ce type d'activité. Sur le photovoltaïque, c'est moins mon secteur. Je ne sais pas si tu veux compléter. Donc, je voulais juste, sur le point que tu mentionnais, les gigafactories, un sujet que je n'ai pas cité, sur lequel on travaille actuellement, et dès maintenant, on travaille sur le recyclage des batteries. Alors, il y a un petit sujet, c'est le recyclage des batteries en masse. Le temps que les batteries qu'on met dans les voitures vivent leur vie de batterie de voiture, ensuite vivent éventuellement une deuxième vie pour en appui de stockage, de production d'énergie renouvelable, en appui de parcs éoliens, etc., pour stocker localement la production, on est plutôt sur du 10-15 ans. Donc le marché en masse européen du recyclage va arriver plutôt après ces deux vies successives potentielles, donc ce n'est pas tout de suite. À l'inverse, ce que l'on sait d'expérience, y compris d'expérience asiatique, c'est que le démarrage de ces gigafactories va s'accompagner de beaucoup de rebuts de fabrication, et sur lesquels, qui seront les mêmes que ceux qu'on va trouver dans la batterie en phase finale, et qui permettent justement de monter en puissance technologiquement sur la capacité à recycler les éléments un par un, notamment les matériaux actifs de cathode, qui sont des produits absolument essentiels dans une batterie. Et donc actuellement, on a des travaux de recherche en cours. C'est plutôt de la recherche. Je parlais de technomature. Là, on est plutôt en démarrage de recherche. Et notre intention est de pouvoir accompagner les gigafactories quand elles vont commencer à fonctionner, pour pouvoir justement déjà recycler, éviter ces pertes de matière qu'ils vont avoir dans les processus de fabrication. Bien, merci. Pour le groupe PS, il n'y a personne. Horizon non plus. Madame Lernos. Merci, Monsieur le Président. J'avais envie de vous interroger plutôt sur les fonctions que vous avez occupé tous deux et qui concerne aussi l'enquête, c'est-à-dire vous avez été directeur de général de l'énergie, du climat, du ministère de l'écologie, si je ne me trompe pas, entre 2007 et 2012, ainsi que président de l'ASN entre 2012 et 2018. Et Monsieur Poinceau, vous avez eu 20 ans de carrière au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il me semble que l'objet de notre commission d'enquête, c'est de voir aussi ce qui a pu se produire par le passé. J'ai un certain nombre de déclarations que vous avez faites, notamment en 2017, en tant que responsable à l'époque de l'ASN, pour alerter sur la situation qui vous semblait alors préoccupante en matière de sécurité et de sûreté sur le nucléaire, en demandant à ce qu'il y avait des risques systémiques, y compris vous avez pris des fonctions après Tchernobyl et puis après à post-Fukushima. Vous avez parlé d'un contexte préoccupant. Vous avez parlé de la difficulté de prolonger les centrales d'un point de vue technologique, technique, de 10 ans, ce qui était les préconisations à l'époque des responsables politiques. Vous avez fait la somme simple que même moi, qui ne suis pas très bonne en maths, puis faire que la majeure partie des centrales nucléaires avaient été construites en 1980 et que donc 80 plus 40 est égal à 2020. Et donc, il y avait des mesures à prendre, y compris en matière de sûreté sur les réacteurs. Vous avez parlé dans vos propos introductifs du fait qu'on était dans une crise conjoncturelle sur les réacteurs actuels et que ce n'était pas structurel, mais aussi sur des installations, notamment de retraitement des déchets, comme à La Hague, où il y avait là aussi des investigations que vous avez essayé de faire sous vos autres fonctions, qu'on était dans une situation assez sérieuse. Après, vous avez aussi évoqué ça sur les choses qui, notamment la cuve sur l'EPR, c'était avant tout à l'exploitant de faire ses contrôles et que l'ASN faisait ce qu'elle pouvait, mais que vous ne pouviez pas travailler par sondage. Et puis, vous avez aussi
parlé de l'omerta qui pouvait régner avant Fukushima et donc de la nécessité de la transparence. Donc tout cela m'amène à... Et vous avez aussi déclaré sur Fessenheim que si c'était fermé plus tôt, ça ne me dérangerait pas, où vous préconisiez à l'époque aussi un certain nombre d'investissements en matière de sûreté qui était totalement votre rôle. Mes questions donc sont les suivantes. Est-ce que, à votre avis, ces préconisations que vous avez formulées en tant que responsable ont été entendues et suivies des faits? Est-ce que, pour vous, l'omerta sur la sûreté du nucléaire n'est plus d'actualité dans notre pays, quand on entend notamment un certain nombre de lanceurs d'alerte sur des sites nucléaires, notamment sur le Tricastin? Moi, en tout cas, sur vos responsabilités antérieures, il me semble important, et ça concerne aussi l'objet de notre commission d'enquête. Sur les sujets que vous avez évoqués aujourd'hui, j'avais quand même une interrogation assez forte sur les propositions et dans le panel des solutions que vous avez évoqué, qui est le captage de CO2. Vous avez pris la précaution de dire qu'il n'y avait pas de solution magique, parce que je pense que bon nombre de personnes aimeraient que la crise climatique n'existe pas, qu'on pourrait continuer comme avant, et qu'il y ait une solution magique et technologique qu'on puisse inventer pour effectivement pomper du CO2 et tout simplement l'enfouir et ne plus avoir à se casser la tête à comment changer ou tout changer avec les difficultés que vous avez évoquées. Vous avez évoqué dans vos propos que les solutions étaient matures. Or, il me semble qu'elles ne sont pas tellement matures face aux solutions que vous avez mises dans le schéma, mais que vous n'avez pas développées, notamment en termes de sobriété, d'efficacité énergétique, mais aussi d'énergie renouvelable. Et donc, sur le fond, le projet Northern Lights que vous avez évoqué également, est-ce qu'il vous semble plus intéressant d'un point de vue global d'investir l'argent et la recherche et le savoir-faire technologique dans ces solutions de captation dont on ne connaît pas la fragilité, y compris sur la porosité? Vous proposez de les mettre en mer et pas en terre par rapport à l'acceptation sociale et sociétale. Cependant, on n'a pas tellement de retours sur ce que ça pourrait faire, et libérer une poche de carbone qu'on aurait captée d'un seul coup pourrait aussi avoir des dangers. Sans parler du coût, vous avez parlé versus le prix du carbone, mais j'ai envie de dire versus les CO2 évités en investissant dans l'efficacité, la sobriété, les énergies renouvelables dont on maîtrise pour le coup les technologies. Voilà un peu les questions qui me traversaient. Alors, je vous propose d'avoir bien noté les questions. je suis un peu désolé de le couper comme ça. Mais du coup, je proposerais que Mme Lernos puisse éventuellement récapituler de façon succincte à la reprise ces questions et qu'on reprenne. Je suspends pour un quart d'heure le temps que nous puissions participer au scrutin solennel.
Voilà. Bien, bah, écoutez, je vous prie de bien vouloir excuser cette suspension qui était liée à la concordance de plusieurs travaux parlementaires en même temps. Ce qui permet d'ailleurs au passage de démontrer à ceux qui suivent cette audition en direct sur les différents moyens de communication de l'Assemblée que quand l'hémicycle semble vide, ça ne veut pas dire que les députés ne travaillent pas. Et on a dû suspendre nos travaux pour pouvoir retourner dans l'hémicycle et participer au scrutin solennel sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Nous reprenons donc nos travaux où nous les avions laissés. Et je vais permettre à Madame Lernos de faire preuve d'esprit de synthèse succinctement pour qu'on puisse reprendre le fil des échanges de façon cohérente. Merci, Monsieur le Président. Donc, simplement pour résumer les questions que je vous ai posées avant la suspension, sur les mesures à prendre en matière de sûreté sur les installations de retraitement des déchets, vous avez préconisé des investissements, notamment en matière de sûreté. Ces préconisations ont-elles été entendues et suivies des faits? Est-ce que l'omerta en matière de sûreté du nucléaire n'est plus d'actualité dans notre pays? C'était la synthèse des questions. J'ai envie de vous rajouter le fait que vous avez été directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie sous Sarkozy et le début de François Hollande. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des projets de relance du nucléaire à ce moment-là ou pas du tout? Sur la captation, ensuite, je vous ai interrogé, et le stockage du CO2, ces solutions me semblent peu matures et très coûteuses. Et donc, est-ce qu'il ne vous semble pas plus intéressant d'investir dans des solutions, plutôt que dans ces solutions de captation, plutôt dans des solutions de sobriété et d'efficacité et de renouvelables, y compris relatifs à la discussion sur les matériaux? Voilà, donc okay. Si chacun est libre dans l'expression qui est la sienne dans nos travaux, je précise néanmoins que nous sommes la représentation nationale et quand on parle d'un ancien président de la République, on peut le nommer autrement que par son simple nom. Voilà, monsieur Franck Chevet. Alors, je le prends dans l'ordre. Donc, pour parler des projets de relance sous présidence Nicolas Sarkozy, oui. Je rappelle que le mot-clé à l'époque, dans le monde de l'énergie, notamment nucléaire, partout dans le monde d'ailleurs, hein, c'était renaissance du nucléaire. Le mot était employé, renaissance du nucléaire. C'était l'idée qui prévalait. Donc il y a eu effectivement des travaux exploratoires pour voir ce qui était... C'était après la loi de 2005 sur l'énergie qui avait lancé le père de Flamanville. Et il y avait à ce moment-là, dans les idées politiques, l'idée de relancer, renaître, hein, même pour prendre l'expression anglaise qui était utilisée. Bon, il est clair qu'avec Fukushima, indépendamment des changements de président, de toute manière, la donne a totalement changé. Il y avait un travail à faire déjà de réexaminer la sûreté des réacteurs existants partout dans le monde. C'est ce qui a été fait, et évidemment, bien entendu, en France. Voilà, donc sur ce passé-là, la réponse est oui, mais ça s'est arrêté très brutalement avec Fukushima, et à juste titre. Enfin, c'était évidemment plus le même contexte. Alors, sur tout ce que j'ai pu dire en tant que président de l'ASN, j'assume, hein, c'est juste le métier. Alors, il y a un point qui est important à avoir en tête. Alors, je suis convaincu que les personnes, enfin, la personne qui m'a succédé et les personnes actuellement en place à l'ASN font le travail. Alors, je le dis en grande clarté, évidemment, le président de l'ASN, c'est lui qui prend la décision finale et c'est celui qui la porte à l'extérieur. Donc, j'ai dit des choses, c'était mon boulot. Simplement, c'est une décision. Il faut bien voir que derrière la machine ASN, qui n'a pas changé, elle, à part le président et quelques personnes, certainement, elle, c'est elle qui construit la décision. Certes, le président décide, mais quelque part, c'est une construction collective. Donc, ça ne dépend pas d'une personne et de son humeur, etc., ses qualités ou de ses défauts, enfin, etc. Donc je suis convaincu que la machine ASN, l'organisation ASN, continue de faire le boulot comme j'ai pu le faire à sa tête, etc. Donc faites-moi confiance, je vois très très bien la cohérence de ce que peut être l'action de l'ASN. Donc elle fait son métier et elle continue à le faire à peu près dans les mêmes conditions. Si votre question vise la situation actuelle sur l'anomalie de corrosion sous contrainte, est-ce que le boulot a été fait, etc., si c'est ça la question... Ce que j'en sais, je ne suis plus en fonction, ce que j'en sais, c'est que globalement, ce n'est pas une anomalie par défaut de maintenance. Ce n'est pas un défaut de la maintenance qui n'aurait pas été fait par EDF, etc. EDF, plutôt, le sentiment que j'en ai, a fait un bon boulot en faisant des contrôles plus performants et
permettant de voir justement l'anomalie et a plutôt pris les bonnes mesures pour essayer de la réparer dans les meilleurs délais. Alors évidemment, ça tombe mal. C'est là, maintenant, au moment où on aimerait bien avoir plus d'accès à de l'électricité, et notamment nucléaire ou pas, enfin, l'électricité tout court, que ça tombe. Mais très franchement, c'est une anomalie. C'est pas un défaut de maintenance. Elle a été découverte tardivement, mais aussi grâce aux moyens qu'a mis en place EDF. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je considère que c'est un boulot qui a été bien fait. Sur la question de l'omerta, je ne me souviens pas avoir prononcé ce mot, mais peut-être que je l'ai utilisé, je ne sais pas dans quel cadre. En tout cas, sur la question de la transparence, c'est une des clés de la sûreté d'un parc nucléaire. Et notamment en France, où les réacteurs sont standardisés, si on ne s'attache pas à détecter les moindres anomalies avec des seuils très bas et de les traiter systématiquement, et comme les réacteurs sont standardisés, si on tarde à faire ça ou si on réussit mal à faire ça, on peut se retrouver face à un problème de grande ampleur et large. Donc c'est l'inverse. La transparence et donc la non-omerta est globalement une condition de sûreté. C'est pour ça peut-être que j'ai dit des choses autour de ce sujet-là, mais c'est vraiment une condition de sûreté fondamentale de se mettre en capacité que les choses qui vont mal ou qui vont pas bien soient dites, énoncées, publiées, s'il y a besoin de la rendre publique, ça, c'est pas le sujet, mais au moins traitées. Et ça a globalement été le cas, et c'est ce qu'on s'est appliqué à faire tous, les exploitants, mais la SN évidemment aussi dans son rôle, et globalement. Alors, il y a peut-être eu des. Alors, moi, j'ai. Vis-à-vis du risque d'omerta, ce qui a été mis en place par la SN, je l'avais lancé à l'époque, mais ça a été mis en place maintenant. C'est un site, sur le site de la SN, où vous pouvez y aller. Il y a un lieu pour les lanceurs d'alerte, qui notamment permet. Vous avez cité Tricastin, effectivement, on en a déjà eu des alertes venant de Tricastin, qui permettent de traiter systématiquement, de documenter, parce qu'une alerte, parfois, elle ne contient pas toujours tous les éléments. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on a plutôt en France plutôt un fonctionnement relativement exemplaire, notamment par rapport à d'autres pays. Mais on a aussi la contrainte d'un parc standardisé qui l'impose, plus encore. Donc, globalement, on a un système qui me semble fonctionner de manière assez rationnelle. Ça ne garantit, je ne vous garantis pas l'absence d'accident. Hein. Vous avez bien compris, ça peut toujours arriver. Mais en termes de ce qui a été mis en place, c'est quand même assez robuste comme système. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont face à une anomalie qu'on aurait bien aimé qu'il y ait plus d'électricité disponible. OK, ça arrive. Au passage, vous ne m'avez pas cité, mais là, je vous renvoie aux archives. J'ai été amené dans le cadre d'un débat sur l'énergie au début de 2012-2014. On a écrit à la SN un papier qui a été ressorti par d'autres, qui disait que l'inconvénient d'un parc standardisé, il y avait de gros avantages à avoir un parc standardisé, c'est l'option qui a été retenue standardisée, ça veut dire qu'en gros c'est le même réacteur quasiment. Parce qu'en gros, si on détectait vite les anomalies, c'était très facile de mettre en place une réparation et du coup de la déployer relativement vite. C'est aussi un avantage de coût quand on fabrique les installations, etc. Tout ça, c'est des avantages et c'est aussi un avantage pour la sûreté parce que c'est aussi un avantage pour la qualité quand on répète le même geste. Parce qu'on n'a pas à faire des écarts. Donc ça, c'est un avantage. Il y a un inconvénient, c'est que si effectivement on détecte trop tard une anomalie, on peut se retrouver dans la situation, et je l'ai énoncé publiquement, où typiquement une quinzaine de réacteurs peuvent devoir être arrêtés, pas dans la journée, mais dans un pas de temps relativement court, parce que potentiellement ils sont concernés par la même anomalie. C'est typiquement la situation où on est aujourd'hui. Et on avait fini l'avis qui est écrit et public en disant au gouvernement, et à tout le monde d'ailleurs, il faut qu'il y ait des marges sur le système électrique qui permettent d'accepter et de rendre acceptable la perte dans un délai d'une semaine ou deux d'une quinzaine de réacteurs pour réparation, tout simplement. Voilà, tout ça a été écrit. Ensuite, la responsabilité de la SN s'arrête à dire les choses. C'est une responsabilité de gouvernement de construire un mix énergétique. J'ai été dans ces fonctions, donc je vois tout à fait l'articulation entre les deux. Sur le CCUS, je le répète, alors, de deux choses l'une. Soit on veut se passer d'industrie. Soit on accepte cette idée-là. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de raison de s'imposer du CCUS. Si on veut garder notre industrie, la seule solution, c'est de leur offrir des solutions de capture. Alors, je le répète, elles sont matures et efficientes. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui tourne actuellement à ArcelorMittal Dunkerque, ça tourne. C'est pas un mirage. Hein,
Ils le font pas pour rien. Alors là où je vous suis, c'est qu'il n'y a pas que le captage est une des solutions parmi d'autres. Alors, vous parlez d'efficience. Moi, je pense plutôt qu'il y a une partie des procédés industriels en France, mais partout dans le monde en réalité, dont on peut changer l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Par exemple, passer à des trucs électriques qui fonctionnent avec de l'énergie verte ou décarbonée. Ça, c'est tout à fait envisageable. C'est une part du sujet. D'ailleurs, Arcelor, à ma connaissance, a prévu aussi de faire ça ou d'expérimenter ça sur son site à Dunkerque. Mais il y a aussi, quand on a c'est l'énergie nécessaire à faire fonctionner un procédé chimique. Ensuite, le procédé chimique, lui, quand on ne peut pas le changer, ben, il a parfois des émissions de CO2 intrinsèques aux réactions chimiques que l'on fait. Et là, il n'y a pas d'autre solution que le captage, et soit la capture, soit l'utilisation. Si on ne fait pas ça, on ne va pas traiter le sujet de la décarbonation de l'industrie. Et c'est un sujet qu'il faut traiter si on veut garder notre industrie. Donc c'est ça l'enchaînement hein, que je veux mettre en avant. On n'a pas beaucoup d'autres choix. Le captage, il faut travailler. C'est dans le slide. Hein. Il y a des problèmes d'acceptation sociale, de travail technique aussi pour qualifier les sites où on stockera. Tout ce travail est à faire. Il y a un travail en cours de recherche sur les voies d'utilisation, ce qui me paraît plus intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de gisement de réutilisation suffisant en masse, etc., pour faire face à nos problèmes. Mais c'est un incontournable, sauf à considérer, mais c'est le chiffre que je disais tout à l'heure, si on délocalise notre industrie, on ne fait pas un geste pour la planète en matière de CO2, c'est l'inverse. Donc je suis très, très clair là-dessus. Une fois que vous prenez cette première option, je défends une industrie propre sur notre territoire, c'est plutôt l'enjeu de la souveraineté, que c'est comme ça que je la conçois. À ce moment-là, vous n'avez pas trop le choix pour toute une partie des émissions de CO2 des industries, que d'aller vers la capture et soit l'utilisation, mais pour l'instant qui est relativement faible, ou le stockage. Voilà. Monsieur Poinceau. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais compléter sur la partie des risques du stockage, parce que c'est de CO2, j'entends, hein, c'est effectivement une question importante, avec plusieurs points. Le premier, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas en train de faire une bulle de gaz dans le sous-sol. Quand on parle de stockage de CO2, il faut s'imaginer une éponge avec des tout petits trous. Et dans lequel, dans ces trous, effectivement, on va mettre soit du CO2, soit plus souvent, en fait, de l'eau qui contient du CO2. De l'eau qui contient du CO2, c'est du Perrier, hein, pour faire simple. Et donc, vous voyez tout de suite que le risque n'est pas le même que d'avoir, effectivement, une grande bulle de gaz où on se dit, si ça lâche d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir bien conscience que le sous-sol, il est déjà bourré de CO2. Et il y a plein d'endroits où il est d'ailleurs ce qu'on appelle saturé en CO2, c'est-à-dire qu'on est au maximum de la concentration de CO2 qu'on peut avoir dans le sous-sol. Et du coup, on a déjà du CO2 qui se relâche naturellement en France comme ailleurs. Si vous prenez par exemple la source du Grand Saladi qui est dans la rivière, à côté de la rivière Allier, vous avez de l'eau qui sort, donc c'est une source naturelle hein, qui bulle et le gaz qui sort c'est 100% de CO2. Et il n'y a pas de risque, je dirais, dans le voisinage à ce que ce CO2 soit relâché comme ça au fur et à mesure que la source émet son eau. D'ailleurs, entre parenthèses, si on n'exploitait pas Perrier, c'est ce qui se passerait aussi. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est quand même un phénomène naturel, même s'il y avait des fuites. Et je vous rassure tout de suite, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas et que si jamais il y en ait, on les détecte. Et c'était mon troisième point, c'est-à-dire qu'on a développé déjà des technologies qui permettent de surveiller des sites de stockage. Et nous, typiquement, au BRGM, on est impliqué dans le cadre d'un contrat donc en Algérie. On surveille le site d'Insala sur lequel il y a 3,8 millions de tonnes de CO2 qui sont stockées. On a des capteurs en surface et on est capable de monitorer 24 heures sur 24 s'il y avait d'éventuels relâchements. Donc tout ça sont bien des choses qui existent, qui sont matures et qu'on pourrait déployer. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est des projets qui doivent être construits avec les populations locales et qu'il y a un enjeu, effectivement, de faire émerger ces solutions dans les territoires, encore une fois, uniquement pour les émissions ultimes, non réductibles, comme l'a très bien expliqué M. Chevet juste avant, et pour lequel on n'a pas le choix. D'ailleurs, ça fait partie des solutions qui sont prônées et intégrées par le rapport du GIEC dans les trajectoires qu'il propose. Bien, Madame, tous les groupes représentés ont posé une première question. Donc, Donc, je laisse Madame Givernet, du coup, poser des questions libres des membres de la commission. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
effectivement, dans l'ensemble des interventions qui ont pu être faites précédemment, la question de la sobriété, de l'efficacité énergétique revient assez régulièrement et on inclut dedans, finalement, dans les travaux qui sont menés maintenant et sur ces notions qui paraissent un peu nouvelles, la question du cycle de vie ou plus précisément même du cycle d'usage, que ce soit pour nos équipements, hein, du téléphone jusqu'à nos infrastructures de production énergétique. C'est un point qu'on doit prendre en compte dans la fabrication de l'équipement et les moyens énergétiques et les matériaux nécessaires et ensuite dans son fonctionnement au quotidien. Ma question est la suivante, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas plutôt pris en compte justement une corrélation entre ces besoins pour la fabrication des infrastructures et justement le fait d'avoir un accès limité à ces matériaux et à ces énergies. Comment ça se fait-il que nous en sommes toujours à se poser la question en France de savoir combien une centrale nucléaire pourrait durer réellement? On est sur 40 ans, puis on prolonge de 10 ans à chaque fois sans forcément se projeter sur un temps et une durée donnée. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à très rapidement relier cela pour entre la durée d'usage impliquant le réemploi et évidemment le possible recyclage et sa capacité justement à nous fournir de l'énergie et des matériaux. J'espère que ça a été suffisamment clair. Je vous en remercie. Pardon, sur une partie de... Alors, pas sur le nucléaire nécessairement, mais... sur la question des analyses de cycle complet, on y va, enfin, pour ce qui nous concerne, on n'est pas les seuls, de plus en plus. J'en ai donné l'illustration tout à l'heure sur le bilan d'un véhicule électrique complet, pas au pot d'échappement, vu qu'il n'y en a pas, mais complet en termes de CO2. Il y a de multiples bilans qu'il faut arriver à mettre ensemble, multiparamètres. Donc, il faut faire le bilan pour une techno, une solution, véhicule électrique, CCUS, tout ce que vous voulez. Chaque fois qu'on en développe quelque chose, on s'attache à faire une analyse dite de cycle de vie complet pour donner les vertus et les inconvénients, éventuellement, gain CO2. Ça peut être aussi les polluants atmosphériques. Ça peut être les matériaux critiques associés à la solution techno. Ça peut être aussi l'énergie, on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait, est-ce qu'on ne va pas vers un squeeze énergétique. Il y a des tas de sujets qu'il faut bien regarder ce qu'on fait en termes de besoins énergétiques. Vous parliez de sobriété, d'efficacité. Il y a des technos, je vais en citer une, qui demandent un regard très particulier. Je crois avoir cité tout à l'heure ce qu'on appelle les e-fuels. E-fuel, c'est vous prenez de l'hydrogène, quelque part. Vous prenez du CO2, vous refabriquez des fuels de synthèse. Alors simplement, il faut avoir en tête qu'il a fallu faire de l'hydrogène. C'est-à-dire que vous avez dû déjà, avec de l'énergie, couper de l'eau en deux, entre H2 et O2. Et ensuite, vous refaites une opération chimique qui vise à accoupler l'hydrogène, déjà enlever de l'oxygène du carbone et à prendre le carbone pour le mettre sur l'hydrogène. Donc vous avez quand même une chaîne, le tout pour être brûlé dans un moteur. Donc la chaîne globale de fonctionnement, il faut quand même s'interroger. Actuellement, la plupart des politiques publiques partent sur l'idée on va avoir de l'électricité décarbonée, j'allais dire à volonté, mais en grande masse. Donc effectivement, du coup, la question de la sobriété se pose pas, mais nous, on se la pose, parce qu'effectivement, je suis pas, quoi qu'on fasse collectivement, on n'aura peut-être pas nécessairement toutes les disponibilités pour faire ce que l'on veut faire, le renouvelable, tout le renouvelable, le nucléaire aussi, puisque c'est dans les orientations politiques. Voilà, la question se pose quand même. Donc il faut, et c'est vrai que c'est une question qui s'efface un peu en arrière-plan de beaucoup de discussions qu'on a sur différentes technologies. On oublie de se poser la question à l'ancienne, post-premier choc pétrolier, c'est comment on est économise déjà en matière énergétique, avant de se poser la question des solutions pour la produire. Et ça, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la pensée énergétique actuelle, c'est qu'on oublie un peu de se poser la question de la ressource et d'économie de la ressource. Ça me paraît important. La chasse au gaspille, pour parler en ancien franc. Voilà. Peut-être pour compléter ces propos, donc vous
posiez la question de savoir pourquoi on n'avait pas finalement plutôt une approche globale type le cycle de vie, qui est aujourd'hui effectivement le standard. Alors ce qu'il faut vraiment avoir en tête, effectivement, l'idée n'est pas récente, hein, la première norme sur le sujet date de la fin des années 90, mais en fait la difficulté quand on veut faire une analyse de cycle de vie, c'est pas tant le calcul en lui-même que les données qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que vous ayez des informations extrêmement détaillées, non seulement sur l'infrastructure que vous voulez évaluer, par exemple, effectivement, vous mentionniez une centrale ou une éolienne, ou etc., mais après aussi sur d'où viennent les matières, où est-ce qu'elles ont été produites, d'où vient le camion qui a transporté les matières, le conducteur du camion lui-même, il a fait quoi comme distance. Enfin, en fait, vous tirez une pelote qui est extrêmement longue à défiler. Et en fait, il faut bien avoir conscience que depuis 20 ans, une partie de la communauté, de cette communauté scientifique a passé beaucoup de temps à rassembler l'ensemble de ces informations et les consolider de manière à ce qu'on puisse commencer à faire des évaluations qui soient robustes, sérieuses, et sur lesquelles on puisse appuyer des décisions publiques. Et typiquement, les évaluations aujourd'hui sur l'analyse de cycle de vie, le poids CO2 du kilowattheure, qu'il soit nucléaire, photovoltaïque ou éolien, je dirais les évaluations robustes et sérieuses, elles sont toutes récentes maintenant. Parce qu'il a fallu faire tout ce travail de rassembler de l'information, de développer une méthodologie. Et il y a des questions qui ne sont pas encore tranchées. Le poids CO2 des déchets, vous le faites porter où ? Dans votre installation de production d'électricité. Enfin voilà, c'est vraiment encore, on est, je dirais, un peu dans un, à la fois, enfin dans une réflexion même encore conceptuelle sur comment, quelle est la bonne manière pour aborder tout ça. Méthodologie, oui. Monsieur Dubois. Oui, vous nous avez dit que devant ce mur d'utilisation des métaux, on était avec une explosion de la ressource en minéral et que nous sommes sous une forte dépendance. Et les slides que vous nous avez produits le prouvent. Et vous nous dites également, en toute cohérence, que pour sécuriser ces approvisionnements, il serait nécessaire de développer une industrie minière européenne. Alors, on voit bien que dans les slides également, la France, notamment sur le Massif central, sur ce qui a été dit par le BRGM, donc on voit bien qu'on est, on a des sols riches sur ces métaux. La question, c'est, on voit bien qu'aujourd'hui, notre souveraineté nationale énergétique, on l'a perdue. Pourquoi une industrie minière européenne et pourquoi pas une industrie et de se dépêcher de développer une industrie minière française ? Alors, européen n'empêche pas français. Hein. Enfin, c'était européen au sens inclusif du terme. Donc, juste quelques éclairages complémentaires, parce que je crois qu'on a déjà bien abordé le sujet, pour dire que petit 1, il faut bien avoir conscience que beaucoup de pays européens ont conservé une industrie minière aujourd'hui et sont des pays actifs. Hein. Je pense à la Scandinavie, à la péninsule ibérique. Et le cas de la Scandinavie est intéressant parce qu'ils sont en même temps un pays qui a conservé une activité minière et avec une fibre écologique et environnementale qui est forte. Donc ça montre que l'un n'est pas forcément antithétique de l'autre, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire. Le deuxième point, c'est que oui, effectivement, il faut qu'on réinvestigue notre sous-sol qui est loin d'être dépourvu de matière. C'est sans doute pour des raisons dont on pourrait débattre, mais c'est resté longtemps un impensé un peu du débat public en France. Et je crois qu'il faut qu'on corrige cette situation. Les initiatives qui ont été prises récemment par Imerys, donc sur le site de Beauvoir, avec la mise en exploitation prochaine d'une mine de lithium. Hein. Bon, alors, les procédures seront encore longues avant qu'elles ouvrent, mais me semble extrêmement prometteur. Et je crois qu'effectivement, on ne coupera pas, j'irai à quelque part, assumer les besoins en ressources minérales qui sont nécessaires pour les choix qu'on a fait au niveau de notre société en termes énergétiques, en termes de mode de vie, etc. Et que la meilleure des solutions n'est pas de laisser ça se faire à l'autre bout du monde dans des conditions qu'on ne maîtrise pas, mais bien de développer chez nous cette activité en la maîtrisant parfaitement et avec un impact environnemental qui ne sera jamais nul, il faut être clair, mais qu'on peut vraiment minimiser le plus possible. Et de ce faisant, je pense qu'on tirera l'ensemble de l'activité de la filière vers le haut, c'est-à-dire vers une empreinte environnementale le plus faible. Last but not least, en bon français, il faudra bien avoir conscience que ça coûtera plus cher qu'en faisant ça avec un impact environnemental important. Donc il y a une question et un enjeu économique derrière qui est important aussi. Je me permets de rebondir. Après, j'aurai une discussion entraînant un certain nombre de questionnements supplémentaires. D'accord.
On a beaucoup parlé ces derniers temps de la nécessaire reconstruction d'une filière de compétences pour recruter, notamment dans le nucléaire. C'est un des vrais défis auxquels on aura à faire face. Est-ce que sur cette question minière, on a un peu expertisé le besoin de reconstitution de compétences ? Monsieur Chevet, dans ses anciennes fonctions de ce qu'est devenu le DREAL aujourd'hui, à l'époque c'était un acronyme un peu différent, a suivi quelques exploitations minières ou anciennes exploitations minières dans ma circonscription. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a bien du mal à trouver des compétences pour poursuivre l'extinction de l'exploitation de ce site. Est-ce qu'il y a un peu d'expertise au niveau du BRGM à ce niveau-là, dans les savoir-faire prioritaires? Alors, deux points. D'abord, sur la gestion des sites après-mine. Comme je vous l'ai dit, on a une équipe, je vais arrondir les chiffres, mais grosso modo d'une centaine de personnes qui gèrent ça, donc à l'échelle du territoire français. C'était initialement des anciens mineurs de charbonnage de France. Et comme vous l'imaginez, ils partent progressivement à la retraite. On les remplace progressivement par des salariés BRGM. La filière des anciens mineurs sera éteinte en 2025. Donc vous voyez qu'on s'en rapproche. Mais on n'a pas de problème réellement pour trouver des candidats sur ces métiers-là. Et comme ça s'est fait dans la durée, on a suggéré le transfert de connaissances et de compétences pour que les nouveaux salariés, qui sont parfois des personnes jeunes qui sortent de formation, soient capables de mener ces activités. Mais on n'est pas dans une exploitation minière, on est bien dans de la gestion de l'après-mine. Oui, c'est pas l'exploitation minière. On est d'accord, j'arrive sur l'exploitation minière. Donc sur l'exploitation minière, il y a deux aspects. Il y a, je dirais, l'aspect un peu plus scientifique pour la prospection, pour développer des procédés, pour tout le travail amont avant qu'on ait une mine qui tourne. Ça, je pense qu'on a encore une bonne école en France. À la fois, je dirais, sur le pôle nancéen, sur les écoles des mines, sur le pôle orléanais, etc. Et tant et si bien d'ailleurs qu'une partie des jeunes qu'on forme dans ces cursus sont souvent recrutés par des grandes entreprises à l'étranger qui ont bien compris qu'il y avait un vrai savoir-faire. Là où on sera sans doute un peu plus en difficulté, mais je ne doute pas qu'on arrivera à surmonter la situation, c'est plus sur le côté opérationnel, c'est-à-dire l'ingénierie au quotidien d'exploitation d'une mine, où là, effectivement, par la force des choses, n'ayant plus de mine en France, il va falloir qu'on reconstruise la compétence. Mais on a des partenariats, je dirais, de longue date avec des grands pays mineurs, et je ne doute pas qu'on arrivera à profiter de ces partenariats pour former nos jeunes générations. Et j'ai une question pour Monsieur Chevet en rebond. Parfois, on a l'esprit d'escalier, à sa réponse à la question de Mme Lernos. Donc vous précisiez que, finalement, vous avez formulé un certain nombre d'alertes sur la nécessité de préserver des marges dans les capacités de production électrique installées pour ne pas avoir, à rogner nos marges de sûreté. Quelles réponses vous ont été adressées à ces différentes alertes à l'époque où vous exerciez vos responsabilités de président de l'ASN? L'alerte a été portée. Alors, juste petite subtilité, mais dans la manière dont on a formulé l'avis, il faut être capable, que le système électrique soit capable de gérer la perte de 15 réacteurs. Et puis, on a fini la phrase en disant ça peut être par des capacités réservées, capacités supplémentaires, y compris à l'étranger, d'ailleurs, ou par de l'effacement ou de l'effacement organisé, etc. Donc on l'a bien, et on s'est arrêté là parce que, bien entendu, on n'est pas en charge du tout de la politique énergétique. Je ne suis pas sûr qu'on ait été parfaitement entendu. Il est clair que le fait qu'on soit sur un réseau européen donne pas mal, finalement, de garanties normalement. La probabilité que tous les réseaux soient concernés par des anomalies de nature différente, elle est quand même relativement faible. Ça, c'est le bémol que je mets aujourd'hui. Si ce n'est que aujourd'hui, on est quand même sur une situation très particulière. Et effectivement, c'est l'ensemble des systèmes électriques qui est en tension européen. Mais globalement, la réponse, il n'y a pas eu de réponse. C'est peut-être pour préserver notre indépendance, de ne pas engager un débat avec l'ASN. Mais bon, c'est... Bien, Madame Lernos. Oui, c'était simplement pour préciser, ça va un peu dans le même sens que ce que disait Monsieur le Président. C'était que vous aviez alerté sur un triple problème en matière de sûreté
par rapport à la situation dans laquelle on était, du prolongement des réacteurs, mais aussi de l'état et de l'organisation d'Areva et d'EDF, notamment. C'est ce que vous aviez formulé, en fait, dans les inquiétudes et le triptyque dans lequel on se trouvait en 2016. Et donc, c'était est-ce que, par rapport aux alertes que vous aviez formulées, est-ce que vous avez l'impression que ça a été suivi des faits ensuite par les responsables ? Donc, je ne me remettais aucunement en cause, je m'excuse si vous aviez mal interprété ça, le travail que fournit l'ASN ou l'indépendance dans laquelle travaille l'ASN, mais plus est-ce que vos préconisations, et puis y compris dans les alertes que vous avez formulées, vous avez dit on a fait des contrôles ou effectué des contrôles, un peu contrôle gré d'Areva ou autre, qui disait ce n'est pas nécessaire, et au final vous découvrez des anomalies. Et donc est-ce que l'ASN a assez de moyens quelque part, et est-ce que ces préconisations ou ces alertes ont été assez entendues? Et puis pour repréciser aussi un point sur la question de l'Omerta, notamment la France s'est illustrée, notamment après Tchernobyl. C'est-à-dire que parfois je fais des blagues en disant si j'avais vécu en France en 86, j'aurais peut-être encore ma thyroïde, puisque le nuage ne serait pas passé sur le continent français, selon les dires à l'époque. Et donc c'est est-ce que après Fukushima, l'omerta a pu être levée sur les risques qui sont aussi inhérents au nucléaire, sur les risques par rapport au captage, les captages de CO2, c'est pas le CO2, effectivement, ça fait un processus naturel. L'effet de serre, si on veut en venir là, est aussi un processus naturel. C'est simplement, est-ce qu'il y a un risque de relâchage massif d'un coup qui pourrait du coup dérégler? C'est ça aussi la question. Et je partage totalement, et je pense que si vous pouviez appuyer sur le fait qu'il faut prendre l'importation des émissions de gaz à effet de serre dans notre comptabilité, effectivement, ça ferait progresser les choses. Mais il y a peut-être, au-delà du captage pour l'industrie qui est absolument nécessaire, la transformation de notre industrie aussi pour la décarboner, non seulement dans leur process, mais aussi réfléchir à quelle industrie on va avoir besoin demain dans les technologies et dans le modèle de sobriété, d'efficacité énergétique. Alors, il se trouve que j'étais en France en 86. Je commençais ma carrière à l'ASN, en l'occurrence. Et j'ai choisi de faire ça après Tchernobyl, justement à cause de ce que j'avais eu en tant que citoyen, qui m'avait semblé quand même à la fois la catastrophe elle-même, mais aussi la manière dont on a pu collectivement, j'accuse personne, communiquer. Au passage, il faut que vous ayez en tête que c'est la France qui, la première, après Tchernobyl, a mis en place la première échelle de gravité qui permet à la fois de capter les événements et rendre obligatoire le fait qu'on les déclare, et surtout de les rendre publics quand ça méritait. Et c'est la France qui l'a première fois. Donc ça, c'est l'anti-omerta, si je peux me permettre. Et c'est une des conséquences. Alors, ce n'est pas très technique, mais c'est essentiel ensuite pour le fonctionnement, y compris démocratique, etc. Le nucléaire a longtemps et souvent, et encore parfois, est accusé de secret. La mise en place d'une règle absolue, qui est probablement une des règles de sûreté les plus fortes, en réalité, au-delà des aspects techniques, mais d'imposer, de déclarer les problèmes anglais, et y compris de les rendre publics, c'est certainement une des meilleures manières d'améliorer la sûreté au fil de l'eau. Donc c'est à la fois une exigence démocratique, mais c'est aussi un moyen technique, quelque part, d'améliorer tout le temps dans ce mécanisme. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous disiez sur 2016, parce qu'il s'est passé quand même dans mon mandat beaucoup de choses, donc je ne suis pas sûr. Concernant, j'ai compris, l'AG, donc il y a des choses qui ont été faites, il me semble, de mémoire, ça a été fait. On avait un peu appuyé pour que des travaux qui n'avaient pas été faits depuis longtemps soient faits. Donc ça a été fait. Voilà. Sur le captage, tu peux redire ce que tu as dit, mais c'est pas une bulle, quoi. Enfin, si je peux me permettre d'aller à ton soutien. Il y a très peu de gens qui visualisent que c'est un sous-sol. Une nappe phréatique, tout le monde imagine, je parle sous rivière qui coule. Une rivière qui coule dessous. C'est pas du tout ça, quoi. Et c'est la même manière, c'est ton image des éponges. On parle de milieu poreux dans lequel il peut y avoir, il peut y avoir du pétrole, il peut y avoir du gaz qui se stocke, il peut y avoir du CO2. Donc on n'est pas du tout sur l'idée d'une grosse bulle qu'on essaye de contenir, puis qu'à un moment va s'ouvrir et ça va être catastrophique. S'il y avait une fuite, ça serait très progressif, puisqu'il faut que ça sorte de l'éponge, entre guillemets.
ça se saurait, quoi. Enfin, je veux dire, sinon on aurait du pétrole qui sort comme ça. Et on saurait la détecter. Et par ailleurs, on saurait la détecter. C'est... Donc, ce n'est pas un problème insurmontable. Ce n'est pas le, ce que vous évoquez, le risque. On parle de risque, je continue. Oui, l'analogie nucléaire, c'est captage. Mais ce n'est vraiment pas ça qu'il faut visualiser. Il faut prendre la question. Hein. La question, elle est tout à fait légitime, vu qu'on ne voit pas comment ça marche. Donc, à partir de là, il faut expliquer, etc. Mais c'est, on n'est pas du tout sur des risques. Je crois qu'il y a eu un accident, mais ce n'était pas un stockage, d'ailleurs, en Afrique. Oui, sur un lac en Afrique, mais c'était un contexte volcanique très particulier, où effectivement, pour le coup, en fait, on avait une bulle de gaz au fond d'un lac qui a dégazé d'un seul coup. Mais c'était au fond d'un lac. On n'était pas dans une roche. Hein. Peut-être juste pour dire que sur le stockage CO2, pour compléter, il faut bien s'imaginer que l'idée quand même qu'on a, c'est bien qu'on puisse proposer des stockages, on va dire, à l'échelle des territoires pour les émissaires ultimes à l'échelle des territoires, de manière à ce qu'on évite des transports sur des longues distances et qu'on fasse ça, je dirais, avec un minimum finalement d'investissement tant environnemental que financier. Alors ça n'empêchera pas les grands stockages, et on parlait tout à l'heure de la mer du Nord, mais ça c'est plutôt pour les très grands sites industriels qui sont... en gros, sur les littoraux tout autour de la mer du Nord. Mais typiquement, dans nos régions et pour les pôles industriels qu'on va avoir en France, on est plutôt en train de réfléchir sur des stockages locaux qui seront, du coup, des stockages, entre guillemets, de relativement petite ampleur par rapport à ces grands stockages qu'on mentionnait en mer du Nord. Alors, j'ai une dernière question et puis le rapporteur aura une dernière question. On n'a pas parlé de stockage d'énergie dans les sous-sols. Donc, si vous avez des choses à nous dire là-dessus. Et puis, question complémentaire à ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que le stockage du carbone peut se faire sous une autre forme que gazeuse? Parce que là, vous parlez finalement, au pire, de mettre des bulles de gaz dans l'eau. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes de stockage du carbone que vous pouvez imaginer? Alors, sur cette deuxième question, j'ai commencé par celle-là. Il faut bien avoir conscience que le Perrier, avant que vous ouvriez la bouteille, il n'y a pas de bulle. C'est parce que vous ouvrez la bouteille que, en fait, vous changez la pression que les bulles se forment. Donc, quand on parle d'un stockage de CO2 dans des nappes phréatiques profondes, il n'y a pas de bulles. C'est complètement dissous, comme le Perrier avant que vous ouvriez votre bouteille. Hein. Donc, voilà. Alors après, si on voulait le stocker sous une autre forme, si on le transforme, je dirais, artificiellement, industriellement, ça va nous coûter quand même cher, entre guillemets, d'un point de vue énergétique. Donc, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, surtout qu'après, on se posera la question de savoir comment on l'injecte. L'avantage du CO2, c'est qu'il est déjà présent dans le milieu naturel, donc on ne crée pas une perturbation supplémentaire. Par contre, il peut y avoir des environnements géologiques qui sont favorables pour que lui-même, par exemple, précipite, c'est-à-dire se transforme naturellement sous forme d'un solide au fond. Il y a eu notamment des études très intéressantes qui ont été faites par les Islandais sur ce sujet-là. Et ça, c'est des choses qu'effectivement, on peut essayer de favoriser. Mais je pense qu'on ne coupera pas de toute façon l'injecter au départ, soit sous forme gazeuse, soit sous forme dissous dans l'eau, parce que sinon, ça nous coûterait trop cher. Si on a du diamant, je doute qu'on aille le stocker. Oui, ça, effectivement. Du coup, ce faisant, j'ai oublié votre première question. Ah oui, stockage d'énergie. Donc, stockage d'énergie, effectivement, c'est un très bon sujet sur lequel il commence à y avoir des travaux qui sont menés. Je pense que ça, on peut. Enfin, il y a des réflexions sur effectivement réfléchir à des sortes de batteries thermiques qui permettraient notamment de gérer l'alternance saisonnière. Et ça, c'est des sujets, je dirais, un peu nouveaux, mais sur lesquels il y a un vrai potentiel. Et c'est une autre manière de faire de la géothermie, finalement. C'est-à-dire, plutôt que dans la géothermie, on soit toujours en train de tirer, ou de, entre guillemets, des calories, on peut faire fonctionner dans les deux sens, des fois en injectant et des fois en prélevant. Donc ça, il y a des choses intéressantes. Et typiquement, on a fait un prototype avec une société de travaux publics française pour essayer de stocker l'énergie qui est accumulée par les routes. Parce que, évidemment, avec la couleur, vous savez que l'été, quand même, c'est particulièrement chaud. Et de la stocker pour pouvoir la récupérer aux périodes plus froides de l'année. Donc voilà, c'est le type de développement sur lequel il y aura, je ne doute pas, des évolutions conceptuelles et intéressantes en termes d'application dans les années qui viennent. Juste, il y a quelques autres technologies de stockage. Alors, on parlait énergie, mais versus électrique. Ouais. D'abord, il y a les stockages de gaz, tout bêtement. C'est quand même un stockage assez basique d'énergie qui fonctionne. Hein. Voilà, la question de la bulle se pose moins, visiblement, mais en tout cas, là, voilà, c'est... On a aussi, il y a des procédés qu'on a développés de stockage par air comprimé dans des cavités.
qui sont envisageables. Alors, il y a un certain nombre, évidemment, d'optimisation énergétique à faire pour que ça soit un bon rendement. La question du stockage d'électricité, je reviens, est absolument un point central. On va vers l'électrification plutôt massive. Pas d'hydrocarbures, ben, quelque part, on va vers l'électrification, virgule, si possible, décarbonée. La question de comment on arrive à assurer une stabilité de réseau, comment on stocke l'électricité, est une question absolument centrale. Parce que l'électricité, c'est, voilà, ça ne stocke pas, ce n'est pas un château d'eau, quoi. On ne met pas ça dans un château d'eau. On a des barrages, on a des systèmes hydrauliques, mais qui ont des stations de pompage qui peuvent faire quelque chose. Mais ce n'est pas du tout à l'échelle du problème qu'on va avoir à terme, avec beaucoup d'énergie intermittente et renouvelable. Un nucléaire qui est plutôt en mode... Alors il peut suivre un petit peu le besoin, mais pas beaucoup. Et donc, conclusion, la question du stockage va se poser de l'électricité de manière accrue. Alors, il y a une autre technologie qu'il faut quand même évoquer, c'est aussi un des intérêts, c'est l'hydrogène. Hein. Faire de l'hydrogène transformé en matière, parce qu'on met de l'énergie pour avoir de l'hydrogène, mais quelque part, l'hydrogène, c'est de l'énergie. Donc, finalement, on peut aussi utiliser l'hydrogène comme une forme de stockage. Donc, dans les usages de l'hydrogène, alors il y a les usages qu'on a cités dans la mobilité, etc. Il y en a d'autres dans l'industrie. Mais il peut être aussi utilisé pour réinjecter, parce que sous forme de combustion, on a le produit d'intérêt, hein, je rappelle, c'est l'hydrogène. Donc, ensuite, hydrogène plus O2, ben, on peut refaire de l'électricité avec une turbine, etc. Donc, on a aussi ce moyen-là, si la filière hydrogène se développe, et comme on le pense et on le souhaite, ce qui peut être aussi une des solutions. Ta solution est plutôt sur du stockage de long terme, intersaisonnier, donc gros volume d'énergie. Ce que j'évoquais sur l'air comprimé, c'est plutôt sur des choses qui s'opèrent à l'échelle de jours, mais pas du tout en intersaison. Ce n'est pas des stockages massifs d'énergie. Donc, on a besoin de toutes ces formes de stockage parce qu'en gros, le réseau, il doit être à tout moment équilibré avec une très grande précision, sinon tout s'effondre. Donc, c'est vraiment un point qui est très important, qu'on oublie souvent parce que cette idée d'un besoin de stockage, on ne comprend pas très bien. Oui, c'est pour ça que quand parfois certains décideurs publics parviennent à expliquer dans le même paragraphe qu'il n'y aura pas de souci d'électricité cet hiver puisqu'on a réussi à stocker du gaz, ça peut introduire une forme de confusion aussi dans l'esprit de nos concitoyens. Mais je ne doute pas que tout cela est bien involontaire. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Effectivement, comme notre collègue a ouvert le chapitre des années passées à juste titre, je pose peut-être juste une question à monsieur Chevet. En octobre 2018, quand vous avez quitté la présidence de l'ASN, dans une interview à Science et Avenir, vous avez déclaré, en parlant du nucléaire, je cite, « Ce qui m'a surpris, c'est la perte de compétences et d'expérience du secteur. Le parc a été construit à marche forcée pendant les années 1980 et nous avons ensuite 20 ans sans projet qui ont été fatales pour la transmission des savoirs techniques. » Donc, première question, est-ce que vous maintenez vos propos? Et si oui, deux questions en poupée russe. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu le chemin qui, selon vous, a conduit à ça? Et la deuxième, plus personnelle, vous avez commencé votre carrière en 1986 à la SN. Vous avez occupé différents postes. Vous avez été directeur de la direction régionale de l'industrie, puis de l'ANVAR, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche de la région Alsace. Vous avez été au cabinet du Premier ministre en charge de l'énergie. Vous avez été directeur général de l'énergie et du climat de 2007 à 2012. Comment est-ce que quelqu'un qui a occupé de telles responsabilités au plus proche du secteur énergétique est-il ensuite, quand il arrive à la présidence de l'ASN, surpris par l'état du secteur nucléaire? Je pense que je maintiens évidemment ce que j'ai dit, mais de toute façon, vous en avez trace, donc je l'ai dit, et je le dis et que je le crois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours facile de refaire l'histoire après coup. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Une décision massive dans les années 70 d'aller dans le nucléaire, massive. On arrive en gros en une dizaine d'années à construire pas loin de au moins 50 réacteurs et quelques-uns un peu plus. 58. Oui, non, mais il y en avait quelques-uns qui sont arrivés un peu plus tard. Mais en gros, moi, quand je suis arrivé en 86, donc, il y avait entre 6 et 8 réacteurs mis en service par an. Par an.
vous voyez la dose. Donc effectivement, ça explique qu'en une dizaine d'années, on a fait à peu près le... Et une fois qu'on avait fait ça, on avait rempli le besoin. Donc on s'est arrêté. Ce qui est tout aussi logique, hein. Et puis à un moment, on s'est dit, ben, il faut préparer la génération suivante, la quatrième décennale, on ne sait pas ce qui va se passer, donc voilà. Et donc c'est la loi de 2005, je m'en souviens très bien. Donc une loi, c'est fait par des parlementaires, un gouvernement, un directeur général, etc. Enfin bon, des gens comme ça, très bien. Et qui ont pris une décision très forte de dire, on va en construire un pour démontrer que ça marche. Donc vous arrêtez pendant 20 ans, et vous dites ensuite à un exploitant au hasard EDF, et puis le système industriel, d'en refaire un, mais seulement un, pour voir. Je crois que vous avez écrit et mis ensemble toutes les conditions pour... parce que qu'est-ce qui a marché dans le parc existant, actuel? Ça a été fait de manière standardisée. Les gens qui ont étaient sur un chantier, sont allés sur l'autre pour faire à peu près le même geste. Donc l'effet d'apprentissage, il était garanti. Là, on en fait un. Avec des gens qui ne peuvent pas avoir d'effet d'apprentissage, puisque globalement, voilà, on n'en fait qu'un. Donc voilà, je maintiens ce que j'ai dit. Et vous comprenez bien que je considère que c'est pas la faute d'EDF ou d'un tel. C'est collectivement... Ben, on aurait peut-être pu un peu lisser ou prendre une autre décision en 2005, ben, on dirait au moins on en fait deux ou trois, mais pas un. Parce que là, on est sûr qu'on n'a pas l'effet d'échelle d'apprentissage qu'on avait eu, qu'on s'était organisé d'ailleurs pour le coup par le passé. Donc voilà. Et je t'accuse d'aucune manière les personnes. Hein. Ce n'est pas une question de compétence, c'est simplement quand vous soudez, il faut avoir soudé. Hein, certes, il y a des qualifications, mais quand même. Le fait d'exercer le métier sur une centrale, puis sur une autre, etc., à la fin, ça fait de très bons soudeurs. Et à l'inverse, si on n'a pas cet effet de série, voilà, vous êtes en train de comprendre que je ne suis pas totalement opposé aux décisions en cours. Mais justement, quand vous arrivez en 2007 à la Direction générale de l'énergie et du climat, est-ce que vous avez déjà fait ce diagnostic? Est-ce que vous formulez des propositions pour enrayer la perte ou la disparition totale ou partielle de compétences, et est-ce qu'elles sont reprises? Non, et j'ai entendu ni aucun politique, ni souvenir d'aucun parlementaire qui a posé cette question. Je reviens sur ce que je dis, hein, c'est collectivement, on n'a pas vu qu'il y avait un sujet, probablement parce que peu de gens avaient réellement vu ce qui s'est passé ou analysé ce qui s'était passé plutôt bien sur la construction du parc existant. Et donc, ce que j'appelle l'effet d'apprentissage, si on oublie que c'est important, effectivement, on peut prendre ce genre de décision. Mais il n'aurait pas fallu l'oublier, quoi, voilà, collectivement, encore une fois. Moi, le premier, hein, je me mets dedans. Hein. J'ai vu que vous voulez réagir, mais juste pour bien comprendre. Ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous étiez en mesure, cette analyse-là, oui. Est-ce que vous étiez en mesure de la faire au moment où vous étiez en poste à l'ASN, ou est-ce que c'est une analyse que vous faites finalement a posteriori, après le rapport FOLS, finalement ce qui est devenu une forme de doctrine la répétition et de la standardisation? Ça s'est construit quand j'étais à l'ASN, cette vision progressive. Parce qu'à force, il y a eu des anomalies, des problèmes, ce qui est normal, encore une fois, ce n'est pas un sujet. Mais c'est vrai qu'il y avait une répétition. Et à chaque fois, quelque part, cette répétition d'enchaînement de difficultés, encore une fois, qui est normale, elle ne pouvait se récupérer que sur le chantier de Le Père. Donc, voilà, c'était réparé. Mais au passage, quand on a réparé, qu'on a fait une fois une bêtise, on ne va pas la refaire deux fois, mais sauf qu'il n'y avait pas de deuxième fois. Donc c'est effectivement le voyant, mais il faut le voir, il faut être dedans, quoi, pour comprendre ça. Et ça prend un certain temps, hein, je suis désolé, mais... Et tout serait... Et tout, au passage, par rapport aux questions que vous aviez sur les compétences, etc., les compétences, on peut apprendre des choses, mais le faire change quand même la donne. Ce n'est pas des sujets théoriques, faire des bétons très compliqués. Pour le nucléaire, ça demande du savoir-faire,
ça demande de l'ingénierie, effectivement. Bon, ça effectivement, tu parlais d'ingénierie. Oui, il y a de bons ingénieurs. Mais en même temps, il y a un moment, il faut couler, il faut que les gens qui mettent l'opérationnel, parce que je reprends tes mots sur un autre domaine, ça s'acquiert sur le terrain. Et donc, s'il n'y a pas assez de terrain, bon, on apprend moins. Voilà. Bon, c'est pas le président de l'IFPEN qui vous a parlé, là. Non, mais l'ancien président de la SN. Voilà. Au moins aussi intéressant pour notre commission. Oui, je voulais me permettre d'apporter un éclairage complémentaire. Il ne vous aura pas échappé, comme je vois que vous êtes bien informé, que j'ai été conseiller nucléaire à l'ambassade de France à Pékin et que la Chine, comme vous le savez, est engagée dans un programme nucléaire très conséquent, puisqu'elle lance entre 4 et 6 réacteurs nouveaux par an. Elle vient d'accélérer même le rythme et de passer à 10 par an. Et notamment, elle a démarré pendant la période où j'y étais, et donc en 2019-2020, 2 réacteurs EPR. On connaît tous les déboires qu'a connu l'EPR de Flamanville et qu'on discutait à l'instant. Typiquement, la construction des réacteurs EPR en Chine s'est faite sans rencontrer de grandes difficultés majeures et avec un avantage évident à construire une paire de réacteurs, puisque finalement, on a un deuxième réacteur qui est légèrement décalé sur le premier, un peu en retard, si vous voulez. Mais dès que vous avez un problème sur une pièce du premier, vous pouvez en quelque sorte utiliser le deuxième pour faire en sorte que votre premier chantier il avance le plus vite possible. Et les Chinois, typiquement, se sont spécialisés dans ce type d'organisation. Ils construisent toujours par paire avec une efficacité qui n'est plus à faire. Et aujourd'hui, ils arrivent à construire leur réacteur en 5 ans, grosso modo, et donc à peu près dans les coûts prévus, puisque je rappelle que la dérive des coûts est pour l'essentiel liée à la dérive des plannings. Donc voilà, tout ça pour dire que je crois que la Chine redécouvre ce qu'on avait pu expérimenter dans les années 70 et 80, c'est-à-dire la grande efficacité d'un programme conséquent, régulier et qui permet d'entretenir les compétences. Ce qui signifie que... autant sur le plan du développement des filières industrielles énergétiques de demain, qu'il vaut mieux éviter le stop and go. Peut-être qu'on peut extrapoler ce raisonnement, y compris aux filières de recherche. J'ai le sentiment que mettre un programme de recherche entre parenthèses ne pourrait produire que ce type d'effet, c'est-à-dire une perte d'efficacité sur la poursuite de la recherche, mais qu'on pourrait faire ce parallèle aussi avec l'exploitation minière, parce que vous nous avez bien précisé, monsieur le directeur général, que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la surveillance minière, mais pas de l'exploitation minière, et qu'il faut s'attendre à ce que, si de l'exploitation redémarre, sous quelque forme que ce soit, y compris non-invasive, on puisse avoir affaire à des difficultés d'amorçage ou de démarrage, quoi. Peut-être pour faire le lien entre nos deux sujets. Je compléterai après. Christophe vient de citer la Chine, qui, au passage, c'est nous qui avons appris aux Chinois, qui avons lancé dans les années 90, qui les avons aidés à lancer leur programme. Nous, on sortait de notre programme actuel, parc existant. Donc on leur a appris à faire, et ils ont fait. Et ils ont fait, alors pour le coup, sans s'interrompre, effectivement, et pas de stop and go. Et donc, du coup, effectivement, c'est le résultat que tu évoquais. Mais même chose, enfin, je pense que sur les sujets miniers. Alors, au passage, ça veut dire aussi que l'expérience, l'apprentissage, où sont les savoirs, si je prends nucléaire. Actuellement, effectivement, je pense que la Chine a des compétences. En tout cas, ils ont démontré des résultats. C'est peut-être aussi, on peut peut-être, à juste retour, s'appuyer aussi sur eux. Hein. Et de la même manière, tu l'as cité tout à l'heure rapidement, mais je partage entièrement, les pays étrangers qui nous fournissent, ils ont une pratique des mines. Alors, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas de l'opérationnalité, de l'exploitation. Et nous, on a un souci environnemental et une contrainte environnementale différente, mais je pense qu'aussi s'appuyer sur des compétences, tout simplement des gens qui ont fait. Alors peut-être deux compléments. C'est un des moyens pour remonter. Pardon. Peut-être deux compléments sur juste la partie minière pour dire qu'effectivement, comme tu le mentionnais, on a la chance en Europe d'avoir des pays qui n'ont pas arrêter leur activité minière. Je pense à la Scandinavie notamment, et encore une fois, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui ont une fibre environnementale qui est forte, donc ils développent vraiment des mines responsables, propres, à faible impact, comme on souhaite en faire en France. Et je crois qu'on a vraiment intérêt, là, pour le coup, à bénéficier, autant que faire se peut, de l'Union européenne et de ce que nous permet la proximité avec ces pays. Alors je voudrais, deuxième point, quand même dire qu'il y a une différence entre ce qu'on disait sur le nucléaire et l'activité minière. Parce que je suis d'accord avec vous, on a arrêté toute activité minière en France maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Néanmoins, on a encore des opérateurs miniers.
Parce que autant on n'opère pas de réacteur nucléaire à l'étranger, autant on peut opérer une mine à l'étranger. Et que ce soit Orano ou que ce soit Eramet, aujourd'hui, ils exploitent des mines en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada, etc. Donc, on a quand même encore, je dirais, une filière industrielle, même si elle a beaucoup diminué, parce que cette activité-là, on peut la faire dans un pays tiers. Donc, on est quand même dans une situation qui est plus favorable. Mais juste pour bien comprendre, parce que j'ai un exemple précis en tête que je vais partager, parce que M. Chevet voit duquel il s'agit, c'est les mines de potasse en Alsace. Qui démontre en fait que la technicité de l'exploitation, elle est liée à la nature du matériau qu'on va chercher et à son emplacement géologique. Et donc, dans tous les cas, savoir tenir une mine, ça n'est pas forcément, enfin savoir exploiter une mine, ça n'est pas forcément savoir exploiter toutes les mines de toutes les ressources à tous les emplacements géologiques précis. Quoi. Donc il y a toujours ce point d'attention dans l'apprentissage. Quoi. Puisque vous citez les mines de potasse d'Alsace, objectivement, de ce que j'ai vu des instructions qui ont été menées, c'était pas vraiment la technologie minière. C'est quand même des précautions de base sur le fait de ne pas introduire de matériaux dans le stockage potentiellement en combustion. Oui. Non, mais là, vous parlez de la fin des MDPA avec le problème du stockage de déchets dans des galeries. Je suis vraiment sur l'exploitation minière. Voilà, enfin, exploiter de la potasse à moins 800 mètres, c'est pas exploiter du lithium en surface. Quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas exploiter du charbon, c'est pas les mêmes techniques. Enfin, c'est très différent. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient passionnés pour vous entendre sur le stockage, mais c'est pas le sujet de cette commission d'enquête, malheureusement. Ok. Pardon, je suis désolé, mais j'ai une dernière question, en tout cas de mon côté, puisque vous avez reparlé de compétences minières et que l'observatoire de ressources minières va être remis en place, si j'ose dire, parce qu'on peut dire qu'il existait d'une certaine manière. Si on devait se lancer dans un nouvel inventaire minier, quelles seraient les conditions de moyens et de temps pour y parvenir ? Alors, c'est un sujet, effectivement, sur lequel on a déjà eu l'occasion de s'exprimer. Y compris devant le Sénat. Donc aujourd'hui, on estime que refaire un inventaire minier sur les principales régions d'intérêt français, ça ne veut pas dire forcément 100% du territoire, parce qu'on sait qu'il y a des zones où voilà, on perdrait notre temps, grosso modo, à y aller. C'est un programme qui se chiffre entre 70 et 100 millions d'euros sur 5 à 10 ans. Sachant qu'une part importante du coût, c'est de la prospection aéroportée, c'est-à-dire c'est faire voler des avions ou des hélicoptères avec un certain nombre de capteurs, que je ne vais pas vous détailler, mais qui permettent de récupérer de l'information sur la structure du sous-sol et à partir de là, de pouvoir reconstruire le sous-sol. Alors, je tiens tout de suite à faire une précision qui est importante, c'est que l'information qu'on récupère nous permet de mieux connaître le sous-sol. Mais cette information, elle est pertinente pour plein d'autres sujets que les ressources minérales. Ça va nous permettre de progresser dans la connaissance des ressources en eau, de progresser dans la connaissance des risques naturels, de progresser du coup dans l'aménagement du territoire. Donc il y a un effet boule de neige qui va bien au-delà du seul inventaire minier. Bien, bah messieurs, je crois qu'on a eu une audition, même si entrecoupée, assez dense cet après-midi. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je donne rendez-vous aux membres de notre commission d'enquête demain, voilà, pour la suite de nos travaux. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.